On va prendre un peu de temps parce que certains maires sont actuellement en réunion chez le préfet. Il en reste encore quelques-uns qui ne sont pas arrivés. Donc, on va prendre un tout petit peu de temps au départ et puis. Je vous propose de regagner vos places. On va démarrer quand même. Je pense que les maires nous rejoindront
On va déjà faire le point des excusés. Il y a beaucoup de pouvoir ce soir. Il y a beaucoup de gens malades ou Covid. J'en profite de ce petit intermède pour souhaiter la bienvenue à Guillaume Barthes, donc, qui est présent là en face de vous, qui est le nouveau maire de Sesancé, donc qui a déjà réuni son conseil municipal et pour qui c'est le premier conseil communautaire. Donc bienvenue à vous. On va commencer par faire la feuille de présence. Donc on commence par Baume les messieurs. Monsieur Moreau est présent. Patrick Tartavet, pas encore. Jean-Marie Écoffier, pas encore. Donc monsieur Guillaume Barthes est là. Monsieur Maurice Gallet, qui pensait arriver en retard, mais il est à l'heure. Même réunion préfectorale. Dominique Billot, je pense qu'il était peut-être. Hervé Guy est présent. Jérôme Cordelier est Covid. Depuis aujourd'hui, il a donné son pouvoir à M. Guy. Pierre Poulet est présent. M. Patingue est excusé. Il n'a pas donné de pouvoir, je pense. Monsieur Philippe Fourneau est présent. Monsieur Lanneau, je l'ai vu. Il est où? Il est où, monsieur Lanneau? Je le vois. Non, il est encore à la préfecture, donc il n'est encore pas arrivé. Il est en bas, là? Il arrive, OK. Madame Tisserand, elle est là. Voilà. Donc Jean-Yves Lanneau peut le compter. Thierry Bailly est à la réunion, il va arriver. Paulette Marano est là, je la vois. Donc Jean-Yves, le voilà. Thierry Bailly devrait suivre, je pense. Sylvie Lagarde n'est pas arrivée encore. Louis Cozo est là. Jean-Yves Ravier est là. Anne Perrin va arriver, je pense. Thierry Gaffiot présent. Perrine Delon est excusée, elle a donné son pouvoir à Madame Perrin. Arriver. Donc moi je suis présent. Émilie Goujon, je l'ai vu, elle est là. Willy Bourgeois est excusé, il donne son pouvoir à Monsieur Poulet. Madame Faton est présente. Monsieur Jaillet aussi. Marie-Pierre Maillard est Covid, vraisemblablement, en tout cas contact. Donc elle donne son pouvoir à Madame Botagizi qui est là. Thomas Barthelet présent, Madame Parézo aussi. Monsieur Guillermo sera en retard. En attendant, il donne son pouvoir à Monsieur Ravier. Valentine Collin donne son pouvoir à Madame Faton. Sylvain Larry à Antoine Jaillet. Madame Botagizi est là. Jean-Philippe Rameau aussi. Madame Mlet Mokomi donne son pouvoir à Madame Parézo. Christophe Bois est là. Sophie Olbinski va arriver, elle va fermer son cabinet et arrive dans 5 minutes. Grégory Sourd est excusé et donne son pouvoir à Madame Olbinski qui va arriver. Madame Minot, elle vient pas? Elle arrive? Non, sur mon Covid. Ah, la Covid, d'accord. Elle donne son pouvoir à qui? Non, d'accord. Madame Chambaret est ici. Elle devra partir un peu plus tôt. Elle donnera son pouvoir à Monsieur Fischer, c'est ça? Jean-Philippe Pelin est présent. Monsieur Fischer est présent. Madame Payard est là. Madame Chanet-Mosselin est présente. Monsieur Bouchaya aussi. Monsieur Jaillet aussi. Patrick Nils est là. André Barbarin est là, Pierre Grosset aussi, Sylvie Matté. Excusez, donne son pouvoir à M. Barbarin, Céline Trossa est là, M. Monet est
Excusez, donne ce pouvoir à M. Janier qui est présent, Mme Mauguin est là, Philippe Vincent également, Mme Louva aussi. M. Hisson Chou est représenté par M. Chardon. Est-ce qu'il est là? Non, pas encore arrivé. Jean-Yves Bailly est présent. M. Junier est excusé, donne ce pouvoir à Thierry Bailly qui va arriver. Mme Lucius, elle est là. Monsieur Chalumeau donne ce pouvoir à Monsieur Gallet, excusez. Madame Pion est excusée, elle est représentée par Monsieur Ponor qui est là. Monsieur Janier est présent, Monsieur Thomas est présent. Ils sont arrivés depuis, je les ai repérés au passage, Dominique Billot et puis Patrick Tartaré. Donc je pense qu'on est, on peut déjà valablement délibérer. Voilà, donc le premier point à l'ordre du jour. Alors, je rappelle que on est filmé, hein, que donc que les internautes sont présents, qu'il faut faire attention donc dans la prise de parole, puisque demandons le micro. Il faut parler distinctement pour qu'on entende bien au niveau global. Donc voilà, l'appel s'est fait. Le secrétariat, je pensais peut-être à Anne Perrin, où elle n'est pas là, elle n'est pas encore arrivée. André Barbarin, on t'a qu'il n'a pas fait. C'est bon. Nelly Faton. OK. Ensuite, on a le... Voilà. Sophie, donc... deux voix. Ensuite, on a approbation du PV de la semaine... du mois dernier. Donc, Serge Moreau et Valentine Collin étaient les deux secrétaires. Donc, c'est un gros pavé, hein, donc, qui vous avait été envoyé. Il y a une petite... une erreur dans une des délibes. C'est celle qui valide la demande de prise de compétence PLUI. C'est simplement que dans le résultat du vote, où on a indiqué deux non pris en compte du vote, alors que c'est deux votes blancs, donc on corrigera en l'occurrence. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Sinon, on met au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc Thierry Bailly est arrivé également. Il a la voix de Michel Junier. Voilà. Donc on peut donc largement, valablement délibérer. Et on va passer tout de suite au dossier numéro 1. Donc le dossier numéro 1, on a une grosse soirée. Hein, le gros morceau étant... la discussion du budget primitif 2023, mais il y a quand même 27 délibérations. Donc le premier dossier, c'est l'adhésion d'Éclat à l'Association des maires du Jura. Donc vous la connaissez tous, hein, on ne va pas présenter l'Association des maires du Jura, qui a plusieurs rôle et qui a pour objet d'assumer ses rôles à l'exclusion de toute préoccupation politique ou confessionnelle. Il y a à l'intérieur de l'Association des maires du Jura, il y a deux collèges, il y a le collège des maires et il y a aussi le collège des EPCI qui se réunit régulièrement et qui fait des conférences sur des thèmes d'actualité, conférences qui ressemblent un peu aux conférences des maires
On pourrait monter dans les mois qui viennent. L'année prochaine, je pense qu'il y en aura plus que cette année. Donc voilà, je vous propose que Éclat adhère à l'Association des maires du Jura. Le coût de l'adhésion est fixé à 2050-58. Et donc, j'ouvre le débat sur, par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des questions, Monsieur Bois? Oui, Monsieur le Président. Bonjour à tous. J'ai simplement une petite question. J'ai dû louper un épisode parce que je croyais qu'il y avait une association des EPCI et qu'on adhérait à cette association. Non? Dans le Jura? Il y a une autre association des EPCI. Et à l'intérieur de l'association... Alors, il y en a deux, en réalité, il y en a deux. Il y a une association des EPCI qui ne représente pas toutes les EPCI, dont le président est M. Lagalis. Et il y a ce collège de l'Association des maires du Jura qui a un collège des présidents d'EPCI. Et ce collège est présidé par Dominique Bonnet. Et c'est ce collège qui... j'ai déjà participé à plusieurs réunions aussi... Jean-Yves Bailly a participé aussi à une réunion sur la thématique de l'eau, donc avec une organisation régulière de conférences qui sont très intéressantes. Alors, pour ma part, il me semble que ça fait un peu double emploi, sachant que bien des membres communautaires, en plus sont maires et peuvent assister à l'Association des maires du Jura. Voilà, c'est ma position très personnelle. Ok. Pourquoi pas, oui. Après, pour participer aux deux, il y a beaucoup plus d'informations venant dans cette composition-là que dans l'autre volet des présidents d'association. Sachant quand même que cette formation de présidents d'association se réunit de plus en plus souvent. Y compris à la demande du préfet, qui réunit les présidents d'associations, les présidents de PCI pour débattre avec le conseil départemental et avec le conseil régional de différents thèmes un peu d'actualité. Monsieur Huelin a demandé la parole. Oui, effectivement, Monsieur le Président, chers collègues, bonsoir à tous. Ce point m'interroge, on l'avait déjà évoqué à l'époque de la présidence de Patrick Helvési, mais l'actualité récente m'a poussé à réfléchir, et quand j'ai vu la délibération, ça m'a fait tilter. Quand le gouvernement propose que les communautés de communes et d'agglomérations puissent éventuellement gérer la DGF, qui serait après redistribuée vers les communes, c'est un point qui montre qu'il pourrait y avoir une divergence de vue entre les maires et les intercommunalités. Comment révéler cette divergence de vue si on fait tous partie de la même association? Ça me paraît un petit peu compliqué. Or, je pense qu'il y a une... Alors, je ne parle pas ici au niveau départemental, chacun se réunit comme il veut, mais c'est aussi être affilié à une association nationale. Et à l'époque, on avait travaillé avec l'Association des communautés de France, qui est devenue, je crois, Intercommunalité de France, qui me paraîtrait une association nationale capable de à la fois conseiller, elle l'avait très bien faite quand on avait travaillé sur le projet de territoire, mais aussi, je dirais, représenter l'intérêt des communautés de communes, d'agglomérations et des métropoles. Et donc, je me demande pourquoi on n'adhère pas plutôt à cela, sachant que, effectivement, comme l'a dit Christophe, je pense que la quasi-totalité des maires ici présents sont adhérents à l'AMJ et donc à l'AMF. Je pense que ça fait doublon. Donc je pense qu'il faudrait avoir une position politique et donc des représentants qui puissent faire valoir l'intérêt aussi de la collectivité dans laquelle nous sommes ici, c'est-à-dire une communauté d'agglomération. Et je ne vois pas comment cet intérêt peut être défendu à l'intérieur de l'Association des maires de France. Alors effectivement, il existe l'Association des EPCI de France, la DCEF, si mes souvenirs sont bons. Par contre, moi, l'intention qu'on se désolidarise des autres PCI qui sont au niveau de l'AMJ, parce que c'est un endroit où on peut débattre de ce qui se passe sur notre territoire, y compris, on est aussi dans le cadre du PETR, du pays lédonien. Donc c'est dans ce sens-là que je vous propose
J'ai même, juste à titre anecdotique, on avait échangé avec Jean-Pascal Fischer du Grand Dole la création potentielle d'une association des agglomérations jurassiennes. Mais bon, on n'est que deux, donc ça ne fait pas beaucoup, quoi. Mais c'était juste pour un peu dans une réunion un peu houleuse, j'avais proposé cette solution-là. Mais bon, voilà. Bon, moi, je pense qu'il faut qu'on soit présent dans l'association des maires du Jura, parce que c'est quand même un endroit où on travaille. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon, je mets au vote. Oui. Simplement une observation, Monsieur le Président, un cher collègue. Les technologies mais nouvelles étant ce qu'elles sont. Thierry, il faut se présenter. Oui. Hein, Thierry Gaffiot, si conseiller communautaire de Lens, de l'agglo, mais au titre de la ville de Lens. Donc j'ai ouvert la page de l'AMJ, de l'AMF pour voir un petit peu ce qu'il en est. 104e congrès des maires et des présidents d'intercommunalités de France. Le surtitre, pouvoir agir. Et on a vu comment l'AMF est intervenu pour défendre dans les débats budgétaires à l'œuvre et sur les problématiques que nous rencontrons tous, soit dans les communes, soit dans l'intercommunalité actuellement, notamment au moment de l'élaboration des budgets, comment l'AMF est intervenu dans son congrès et a interpellé le gouvernement sur la nécessité d'appuyer les EPCI et les communes pour mettre en œuvre leur politique au service du bien commun. Et deuxième chose, je vois analyse financière des communes et des EPCI, quelle perspective d'évolution des budgets du bloc communal en 2022 et 2023. L'AMF est quand même un outil formidable de débat, de rencontre, de mise en réseau et un appui à la fois pour les communes, les intercommunalités, pour les élus, d'avoir une vision globale des problématiques que nous déclinons toutes et tous sur nos territoires, qu'ils soient ruraux, urbains, de grande dimension ou d'une agglomération comme la nôtre. Et je pense que, comme sur beaucoup de problématiques, on en parlera peut-être tout à l'heure au fur et à mesure du dérèglement de l'ordre du jour, notamment dans les problématiques environnementales de la gestion de l'eau, de pouvoir travailler dans des structures à la fois qui fédèrent, mais qui permettent aussi de débattre et d'avancer sur des analyses qui peuvent provoquer le débat, mais qui arrivent ensemble à un pouvoir d'agir extrêmement important. Donc le fait que les ECLA adhèrent à l'AMJ sera pour nous, je pense, un grand soutien dans le fonctionnement dans les années à venir. Ok, c'est merci. C'est vrai que D'autres structures. Hein. C'est vrai que le bloc communal, c'est quand même un élément important de notre fonctionnement. On est tous solidaires sur notre communauté d'agglomération. S'il n'y a pas d'autres observations, on va passer au vote. Qui est contre ? Deux voix. Monsieur Bois, j'ai pas. Ça fait trois. Là, parce que Monsieur Hulin, il a un pouvoir ? Non, il n'a pas de pouvoir, je ne sais plus. Il a pas Monsieur Hulin, vous avez un pouvoir ? Je ne me rappelle plus. Il faut voir regarder. Non, pas de pouvoir. Donc ça fait deux voix, deux contre. Abstention ? Non ? Merci. Donc on va enchaîner. C'est Pierre Grosset qui va passer. Non, c'est Patrick Nels. Alors, qui va présenter. Le deuxième dossier, c'est la convention de partenariat JNE-ECLA. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Donc, en fait, on vous présente en effet ce soir, c'est le renouvellement de la convention de partenariat JNE-ECLA, comme vient de dire le président. Donc, ECLA et JNE sont liés depuis 2013 par une convention visant à formaliser leur partenariat. Cette convention a permis d'accompagner ECLA pour la prise en compte des enjeux liés à la biodiversité dans ses projets. Cela s'est traduit au fil des années par un partenariat renforcé permettant la mise en valeur et la protection de la biodiversité sur le territoire d'ECLA avec, par exemple, un travail sur les milieux humides,
la préservation du marais de Publi, travaux de mise en valeur du vallon du Solvant, travaux de protection et de comptage des amphibiens à la Comberlin, à Montmoreau, la mise en place de la gestion différenciée des espaces verts sur la voie PLM, la veille naturaliste sur les communes de Courland-Courlaoux, la réalisation d'un atlas des odonates, donc je ne sais pas ce que c'était, mais c'est des libellules, sur le territoire de l'agglomération. La précédente convention de 2013, complétée par un avenant de 2019, porte sur un soutien financier d'éclat à hauteur de 6 000 euros. Le volume de travail demandé à JNE ne correspond plus au montant de subvention accordée par éclat. En effet, en sus des actions déjà identifiées ci-dessus, JNE est également sollicité pour l'accompagnement et le conseil dans les travaux, comme sur la Cité des Sports, les voies vertes ou encore la rénovation de certains ouvrages d'art, par exemple. En conséquent, et afin de rétablir l'équilibre entre le travail fourni et le soutien financier, il est proposé de porter la future convention sur un volume d'accompagnement de 20 jours à 500 euros par jour, soit 10 000 euros par an. Ce soutien sera conditionné à la présentation d'un programme d'action et d'accompagnement en début d'année validé par les élus d'éclat et d'un bilan annuel préalable au versement de l'aide. Donc, le Conseil communautaire, après délibération, décide la mise en œuvre d'une nouvelle convention avec Jura Nature Environnement, accepte de participer financièrement à cette convention sur la base d'un coût unitaire jour de 500 euros et sur un volume de 20 jours maximum, soit 10 000 euros par an, et autorise le président à signer tout document relatif à cette décision. Merci Patrick. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? Monsieur Buchaya. Buchaya, mairie de Messiaen. Donc, deux petites questions. C'est valable pour l'année 2023 ou c'est rétroactif ou 2022 ? Ce montant sera versé à partir de 2023 ? Oui, c'est à partir de 2023. Donc, en trois ans, on a une hausse de 66%. Après, c'est derrière, c'est en fonction des projets qu'on fait valider. Mais au vote, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Donc, on passe au dossier numéro 3, qui est le gros morceau de la soirée. Donc, c'est problème des finances, donc budget primitif 2023. Il a déjà été largement détaillé en commission, et puis on a parlé déjà il y a un mois dans le cadre du document d'orientation budgétaire. Et Pierre Poulet va vous représenter ce budget de façon assez synthétique. Bonsoir à tous. En premier lieu, je voulais, et avant qu'on l'oublie, je voulais présenter mes remerciements et mes encouragements à tous les services qui ont participé à ce budget depuis pratiquement 4 mois. Généralement, on ne parle pas d'eux quand on parle du budget du DOB, mais là, ils sont tous investis. Et ce soir, en fait, c'est le résultat de tous leurs travaux, de ce qu'on a pu compiler. Donc, encouragements et félicitations à eux. Et remerciements. Le budget qu'on va vous présenter, comme je l'ai dit en commission finance, en fait, il n'a pas bougé d'un iota par rapport à ce qu'on a pu vous présenter avec le DOB. Donc, on va attaquer directement par le budget principal. Donc, plusieurs points, l'équilibre général du budget, la section de fonctionnement, la section d'investissement, différents éléments d'analyse qu'on est obligé de vous donner. Et puis ensuite, on aura les budgets annexes dans les régies, qui seront présentés par les présidents de régie. Alors, l'équilibre général, recettes de fonctionnement 26 629 100, dont impôts et taxes 19 300 322, la DGF 5 617, produits des activités 1 455. On verra le détail après dans les tableaux. Dépenses de fonctionnement 24 539. Ce qui nous donne une possibilité de transfert à la section d'investissement de 2 088. Donc ça, c'est notre autofinancement, CAF brut. Donc en autofinancement, en recette, on va trouver l'autofinancement, bien entendu. Comme on vous l'avait annoncé, un nouvel emprunt d'1 500 000, c'est bien un emprunt, pur et dur, ce n'est pas un emprunt d'équilibre. Le FCTVA qu'on compte récupérer pour 245 000.
et des subventions d'investissement à hauteur de 250 333. En face, au titre des dépenses investissement, remboursement de la dette 1 878 000 et des dépenses d'investissement pour TTC 2 204 000. Donc ce tableau reprend de manière un peu plus détaillée les grandes sommes qui vous ont été présentées auparavant. Donc les recettes réelles de fonctionnement, et ce n'est pas l'ensemble des recettes de fonctionnement, les recettes réelles, 26 523 000. On retrouve les impôts et taxes au chapitre 73, 19 322 000. Les dotations participation donc, qui nous viennent de l'État au chapitre 74, 5 617 000. Les produits des services, 1 455 000. Bon, autres produits et charges, j'allais dire sur le montant du budget, c'est pas significatif. Les dépenses réelles de fonctionnement, donc les charges générales, chapitre 011, pour 3 985 000. On avait déjà vu au niveau du DOB, notamment l'impact de l'énergie. Les dépenses de personnel, chapitre 012, pour 10 202 000. Les atténuations de produits au chapitre 014 pour 3 015 000. Et enfin, les autres charges de gestion courante pour 6 794 000. Donc, une épargne de gestion de 2 525 000. On prévoit des intérêts de la dette pour 532 000 euros. Bon, quelques produits exceptionnels, charges exceptionnelles et des dotations aux provisions pour 1 000 euros. Donc, une épargne brute d'1 989 000. Et la quote-part des subventions transférées au compte de résultat 100 000 de 800 et les dotations aux amortissements 1 611 000, ce qui ferait un excédent de fonctionnement de 478 000 euros. Vous avez ici représenté sur un diagramme le poids de chacun des recettes de fonctionnement. On peut s'apesantir. Donc, en haut à droite, les impôts directs et locaux pour 5 300 000. La taxe de séjour pour 75 000 euros. La fraction de compensation pour 5 600 000. De l'IFER pour 260 000. De la CVAE pour 2 700 000. TASCOM 750 000. La taxe des ordures ménagères devrait nous rapporter autant qu'on va dépenser pour 3 900 000. La GEMAPI va nous rapporter 187 000. On verra qu'on va la redonner directement à l'EPAG. Et puis, les attributions de compensation pour 500 000 euros. Répartition des dotations et participations, donc la DGF, dotation d'intercommunalité pour 1 325 000, participation des régions 29 000, la CAF, caisse d'allocation familiale 1 362 000, participation du département 45 000, la compensation taxe foncière CVA et CFE 635 000, le CTVA de fonctionnement 10 000 euros, et enfin, la dotation de compensation DGF pour 2,2 millions. Les différentes dépenses de fonctionnement, donc les charges à caractère général, donc le chapitre 11, fortement en hausse en raison de la hausse du prix de l'énergie, et les charges de personnel qui montent à 10 millions 200. Donc on avait vu dans le DOB la décomposition de ces 10 millions 200. Donc c'est lié à la fois à la revalorisation du point d'indice et de l'augmentation GVT, qui est l'augmentation automatique par l'ancienneté. Les charges de gestion courante, qui se monteront à 6 794 000. Donc bien entendu, elles sont contrôlées. On a en haut à droite la décomposition, donc contribution du SDIS pour 1 275 000, subvention aux associations ou organismes de droit privé 1 148 000, une subvention d'équilibre du budget annexe 61 300, c'est les opérations commerciales de tête,
La contribution SICTOM, eh bien, on a vu 3 900 000 et puis d'autres dépenses pour 218 000 euros. Et enfin, l'évolution des charges financières. Donc on sera à 532 000, ce qui est logique avec l'apurement des différents emprunts en cours. La compétence GEMAPI 187 000, donc elle a été transférée à l'EPAGE Seille et Affluent en juillet 2022. Différents dossiers repris par l'EPAGE, reméandrement de la Vallière à Montmoreau et la régularisation administrative des bassins et créteurs de crues. Voilà pour la section fonctionnement. Ensuite, l'investissement. Pardon, je lis mal, donc je suis obligé de suivre sur mon propre PC. Donc les recettes propres à l'investissement, FCTVA, comme on l'a vu, 245 000, les subventions d'investissement, 250 533, le virement à la fonction, de la section de fonctionnement dans l'excédent, 478 800, et enfin les amortissements, 1 712 000. Donc les dépenses qui sont résumées par grands secteurs. Donc la sécurité, 94 000. Culture, vie sociale, jeunesse, sport et loisirs, 666 630. Santé, action sociale, 63 520. L'aménagement des territoires et l'habitat, 550 700. L'action économique, 70 000. L'environnement, 30 000. Les transports et la voirie, pardon, c'est transport et voirie, 663 450. Et enfin, les services généraux, 34 500. Maintenant, par projet, donc tout en haut à droite, les autres équipements sportifs pour 148 800, le GES COSEC 147 800, le centre aquarelle 98 800, conservatoire 71 450, transport et voirie 655 000, la plaine de jeu 82 500, médiathèque cinéma 50 200, le PLUI, on y consacrera 215 000 s'il passe au mois de janvier, bien entendu. Air accueil et grand passage gens du voyage, 275 000. La petite enfance, 63 520. L'aide au parc privé, 51 000. L'appui à l'immobilier d'entreprise, 40 000. La zone d'activité maraîchère, 30 000. Et enfin, des clés électroniques pour 50 000 euros. Un tableau pour vous montrer par rapport à tous, à cette liste d'investissements, ce qui va être subventionné. Donc en fait, on est bien sur un net à charge après déduction de FCTVA et des subventions, un net à charge pour éclat de 1 268 617. L'évolution des niveaux d'épargne. Donc, effectivement, en 2023, comme on va se prendre de plein fouet et la hausse de l'énergie et la hausse des salaires, et bien, notre épargne va diminuer, notamment que ce soit l'épargne brute ou l'épargne nette. Donc, comme on l'avait dit au DOB, on reste encore positif sur l'année 2023. Fin 2023 et pour l'exercice 2024, il faudra qu'on se repose des questions pour arriver à tenir ces chiffres. Et enfin, la dette. Donc la dette prévisionnelle. Alors, il faut lire que ces chiffres sont au 1er janvier 2000. Par exemple, le dernier sur la droite, c'est 2023 anticipé. Donc ça sera au 31/12/2023 pour 18 663. Et le BP 2023, en fait, c'est au 1er janvier 2023. Donc, 31/12 de cette année, on terminera à 18 594 000. Donc, comme je l'avais annoncé déjà au DOB, l'idée, c'est de rester à un endettement en dessous de 20 millions et ne pas s'endetter plus que ce qu'on est capable de rembourser. Parce qu'à bout d'un moment, on va avoir un effet ciseau. Si on n'a pas suffisamment de ressources, on n'arrivera plus à rembourser nos emprunts.
Donc, bien entendu, comme on a des capacités, des résultats qui baissent, même en conservant un endettement contenu, eh bien, la capacité de désendettement en nombreuses années augmente. Donc, pour le moment, on est encore, j'allais dire, bon. On est en dessous de 10 ans. Il faudra qu'on veille sur les années à venir à rester dans cette même capacité de désendettement. Les ratios obligatoires. Bon, vous avez la population DGF, le ratio numéro 1 DRF sur population, avec en regard tout à fait à la droite, sur la droite, ce qui se passe au niveau national. Bon, il y a une certaine, sur tous les ratios, il y a une certaine tendance où on est quasiment, que ce soit sur les recettes ou les dépenses, on est deux fois plus important que la strate nationale. Bon, je le prends comme tel. C'est toujours difficile de se comparer à une strate nationale parce que d'une EPCI à l'autre, eh ben, on n'a pas les mêmes compétences. On ne surpasse pas le financement de ces compétences de la même manière. C'est quand même un peu tiré par les cheveux. On ne compare pas ce qui est réellement comparable. Dans les ratios qui sont importants, que j'ai noté, c'est le ratio numéro 4, où on est quand même inférieur en dépenses d'équipement brut par rapport à la population, par rapport à la strate. Bon, ben ça, c'est quelle est notre capacité en fait réelle d'investir. Bon, l'encours de la dette sur la population, bien entendu. Le reste, on est dans la norme, je dirais, pour le remboursement de la dette. On est un petit peu plus haut que la moyenne. Les dépenses d'équipement par rapport aux ressources, ben, on est inférieur. Mais ça, pour moi, tout ça, c'est mathématique. J'en ai terminé pour le budget principal. Est-ce qu'il y a des question. Monsieur Thomas pose une question. Question concernant les dépenses de fonctionnement. 10 202 000 € de charges de personnel pour un budget de 24 millions, grossièrement 24 millions, donc un peu moins de 50%. Une hausse de 9,70% que M. Poulet nous dit être liée à la revalorisation du point d'indice. Moi, je pense que c'est une explication un petit peu courte, bon, parce que je pense que le point d'indice n'a pas augmenté de 9,70% et que je pense que compte tenu de l'importance des charges de personnel dans notre budget, ce serait bien de nous donner plus de précisions sur cette augmentation de 9,70%. Encore une fois, la revalorisation du point d'indice, à mon avis, ce n'est pas 9,70. Merci. Le point d'indice a augmenté de 6,5% au 1er juillet. 3,5, pardon. Et on prendra la GVT pour 3%. Donc ça nous fait déjà 6,5 sur l'année entière. À côté de ça, on a des charges qui sont à la fois liées à notre personnel et le personnel, notamment ATSEM, qui vient des communes. Plus les charges qui nous viennent aussi des services partagés, et toutes ces charges qui sont à l'intérieur des 10 millions d'euros concourent à notre augmentation. Mais quand vous dites qu'on prend 9,7, vous vous fiez aux chiffres qu'on a donnés sur le tableau, le montant réel où on arrivera à la fin de l'année, on devrait être en chapitre 0,12, plutôt sur 9 600 000 euros avec les différentes DM qu'on a passées en cours d'année, et non pas 9 millions 3. Donc 9 millions 6 plus 6%, on arrive à nos 10 millions 2. Et non pas. Donc on sera sur les 6,5% et pas les 9. Il y a aussi l'impact du transfert qui avait été demandé par la Chambre régionale des comptes. De certains personnels qui avaient une affectation plutôt CCAS vers la compétence ECLA, donc il y a eu une réaffectation
On a vu plusieurs fois, on a eu plusieurs délibes en cours d'année, mais c'est un changement de... Alors, c'est une opération en coût qui n'apparaît pas en tant que telle dans le budget global. Par contre, sur les lignes budgétaires, ça apparaît, quoi, puisque c'est un transfert entre deux lignes budgétaires. André Barbarin. Oui, merci, André Barbarin, maire de Montmoreau. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le virement à la section d'investissement. Je trouve que vraiment la somme de 478 800, ce n'est pas à la hauteur d'une communauté d'agglos comme la nôtre, surtout au regard du budget général. Hein, ça représente 1,80%. C'est impressionnant. Il y a un souci. Je pense que là, il faut vraiment qu'on prenne en compte cela, qu'on ait un véritable budget de crise, parce qu'on a deux façons d'augmenter ce virement. Soit on augmente les recettes, on l'a déjà fait, soit on diminue les dépenses, ou au moins on les stabilise. Et je pense que là, sur la stabilisation des dépenses, on n'a pas fait ce qu'il fallait encore. Il faut vraiment s'y atteler, parce qu'on ne pourra jamais tenir un budget, on n'arrivera pas à investir dans les années à venir si on a simplement cette somme aussi faible. Oui, je peux répondre. Je vous rejoins tout à fait. On peut très bien ne pas augmenter les ressources. Maintenant, maîtriser les dépenses, on n'a pas le choix. Ça veut dire que si vous voulez taper dans la masse salariale, vous acceptez de diminuer le service rendu. Ou on se sépare de compétences pour stabiliser des dépenses, parce qu'on va les geler, ces dépenses. Si on n'a plus les compétences, il ne faut pas s'imaginer qu'on fera des économies. On ne fera que de les geler. Maintenant, on peut aussi diminuer le service public. C'est-à-dire qu'on réduit les horaires d'ouverture à la piscine, on réduit l'accueil dans les crèches. Hein. On peut très bien dire qu'on diminue le nombre de lits dans les crèches. On va faire des économies tout de suite. Maintenant, moi, je pense que l'année 2023, avec le budget qu'on vous propose, c'est un budget entre deux. Si vous voulez qu'on fasse véritablement des économies, okay, à ce moment-là, on va véritablement aller dans tous les services et puis on va dire on diminue. Mais on diminuera le service rendu au public. Alors, je pense qu'il ne faut pas être peut-être aussi extrémiste. Il faut quand même avoir foi en l'avenir. J'espère quand même que l'année prochaine, on verra une détente sur l'énergie qui nous redonnera des moyens d'agir. Sur l'aspect augmentation des salaires, vous savez pertinemment qu'on ne reviendra pas en arrière. J'ai jamais vu une année octroyer une augmentation et l'enlever l'année d'après. Donc, quand on parle de moyens d'agir, en fait, on s'aperçoit qu'on est vite limité. Mais je suis preneur de toutes les bonnes idées. Et je peux vous dire qu'avec les services RH et le DGS, toutes les semaines, on a des réunions au niveau des RH et on n'augmente pas le nombre de personnel. Parce que chaque fois qu'on me demande un nouveau poste, je ne vais pas dire que je tire la tête, mais quand même, c'est pas loin. Ils savent pertinemment quelle va être ma réponse. Je vois mon collègue Thomas qui sourit quand je dis ça, mais ils savent, avant qu'ils aient fini la phrase, ils savent quelle va être ma réponse. Donc, effectivement, on pourrait faire mieux, mais moi, j'attends toutes les bonnes idées. Et Dieu sait qu'on n'est pas prodigue avec les services, hein, parce qu'ils savent qu'il faut qu'on serre la vis de tous les côtés. Après, la situation est vraiment très difficile. Hein. Faut pas se cacher derrière son petit doigt. L'augmentation des charges impacte aussi le résultat. Et donc, ça diminue la capacité d'investissement. Hein. Faut pas se leurrer. Ce matin, j'étais au CA de la Maison pour tous et on a parlé du budget 2023. Et c'était le discours, c'est un budget de guerre, vous voyez, donc c'est même plus qu'un budget de crise. Et on sait qu'on va être obligé de revenir très régulièrement pendant toute l'année 2023 sur ce projet de budget.
Il faudra le réactualiser à plusieurs reprises. On est à peu près sûr de cet élément-là. Et je pense que toutes les collectivités seront amenées à raisonner de cette façon-là. Après, sur l'aspect fonctionnement et permanence des choix qu'on a à faire, je peux vous garantir qu'on le fait avec toute la rigueur nécessaire, parce qu'on aimerait bien souvent dire oui, mais c'est souvent l'anecdote que je racontais quand j'étais secrétaire général d'une grosse structure, c'est la réponse est non, quelle est la question? On est plutôt sur cette façon de faire aujourd'hui, donc on est très rigoureux sur les dépenses supplémentaires quand on nous en propose, même si souvent c'est pour faire un meilleur service public. On a une commission des finances. Cette commission des finances, c'est son rôle, justement, de travailler là-dessus. Partons d'une page blanche, regardons les comptes de l'année dernière, de cette année, et puis essayons avec... Il y a tout un tas d'élus autour de la table qui ont sûrement de l'agilité pour trouver des mesures à prendre, drastiques sûrement. Peut-être qu'on diminuera les services, c'est fort possible. Mais lorsqu'on est en situation de crise, on est bien obligé de diminuer les services. On n'a pas le choix. Bien sûr, oui. Bah, la commission des finances fonctionnera... comme elle a déjà bien fonctionné. Sophie Olbinski avait demandé la parole. Oui, Monsieur le Président, cher Claude. Puisqu'on parle de budget, on peut aussi parler de recettes. Qu'en est-il du recours qui avait été lancé sur les travaux engagés il y a quelques années déjà au sein d'Aquarelle, suite au désordre Est-ce qu'on a eu des réponses? Parce que ça, c'est relativement ancien, cette fois. Oui, Aquarelle, c'était un sujet ancien, oui, effectivement. Des anomalies de fonctionnement liées à des mauvais choix, peut-être, à un moment donné, dans le mode de construction. Alors, il y a eu un contentieux. Hein. Ce contentieux a été pour partie soldé, mais pas complètement. Il reste le gros morceau qui est actuellement... alors, c'est les tribunaux administratifs, c'est très, très long. Donc là, on travaille avec un cabinet d'avocats qui travaille toujours sur ce dossier. Donc on a eu une partie qui est de l'ordre de 400 000 euros. Par plus de 400 000 euros, ouais. 475 000 euros de tête en dehors de l'aspect porte. Donc il y avait la pataugeoire, il y avait le plongeoire. Il y avait 3 ou 4 dossiers qui ont été soldés. Et, pour moi, il me semble qu'on n'a été pas trop mal indemnisé sur ces dossiers-là. Parce qu'à un moment donné, notre avocat nous disait même... C'est pas évident qu'on arrive à transiger avec les compagnies d'assurance. Le TA, c'est le TA, hein, elle nous avait renvoyé dos à dos. Et finalement, on a réussi à avoir une transaction amiable, on va dire. Donc ça se termine plutôt bien sur les petits dossiers. Reste le gros dossier de la porte. Alors le gros dossier, c'est celui qui est reparti au tribunal administratif, cette fois de Nancy, puisque c'est le tribunal administratif d'appel. Là, on pensait être arrivé au bout. Et finalement, il y a eu un changement d'avocat chez un des assureurs. Et ce changement d'avocat n'a pas été... qui, lui, avait changé son approche par rapport à l'avocat précédent. Et on était quasiment... On pensait arriver au bout. Et finalement, le tribunal administratif a jugé que le temps passé avait été trop long. Et donc, il a renvoyé le dossier. Ce qui fait qu'on est parti en... à Nancy. Et c'est le plus gros morceau quand même, hein, c'est celui de la porte. Donc pour l'instant, on attend. Les tribunaux administratifs sont toujours très longs. Hein. Donc on pourrait avoir l'espoir en 2023, fin 2023, peut-être d'avoir une recette de ce côté-là. Bien sûr, oui. C'est pour ça que je disais aussi tout à l'heure qu'on reviendra régulièrement, sûrement, dans l'année 2023,
en commission des finances d'une part, et puis ici d'autre part, pour faire des décisions modificatives de ce budget qui va être effectivement, je pense que vous, dans chacune des collectivités, vous serez exactement dans la même, parce qu'il faut suivre de très près aussi les coûts des énergies qui sont quand même assez fluctuants hein, aujourd'hui. Il y avait d'autres questions. Oui, Thierry Bailly. Voilà, Thierry Bailly, maire de l'Étoile. C'est plus une petite remarque, enfin deux remarques. La première, très favorable, c'est je salue, comme Pierre Poulet, la clarté et la précision des tableaux et de l'ensemble du budget pour l'ensemble des élus. C'est souvent indigeste, donc on apprécie. La seule petite chose qui me gêne, c'est quand je vois le 0% pour 75 000 euros, par exemple. Donc, je préférais qu'on mette inférieur à 1% sur des recettes ou des dépenses. Mais voilà, 0% avec 75 000 euros, par exemple, pour les taxes de séjour. Mais il y en a d'autres. Voilà, moins de 1%, je pense que ce serait plus judicieux. C'est du détail qu'on n'avait pas relevé quand on les a relus. OK, pour ça... D'autres. Alors, Monsieur Fischer et ensuite Jean-Philippe Huelin. Oui, Monsieur Fischer, maire de Mâcornay. Je voulais faire une remarque. Commission Finance, l'autre jour, on avait évoqué, j'avais demandé, donc j'ai vu que ça a été traité de faire apparaître dans la feuille du budget une colonne réalisée. Donc, tu vas la repasser. Dans le document qu'on a reçu, on retrouve BP 21, 22, 23. Et là, j'ai vu que vous avez rajouté, c'est très bien, le CA 2021. Donc, c'est vrai que dans nos communes, quand on vote le budget, on a le BP, mais on a toujours les réalisés de l'année et des années précédentes. C'est quand même très intéressant pour arriver à comparer. Alors, voilà, donc merci de l'avoir bien remis sur le document. Si vous pourriez nous renvoyer le document, puisque dans ce qu'on a reçu en convocation, on était encore à l'ancienne version. Moi, j'interviens aussi. Là. Je suis interpellé quand même par les dépenses personnelles. Je suis désolé de revenir à ce chapitre-là. On voit le réalisé en 2021 à 8,5 millions. On monte à 10,2 millions en 2023. Ça me paraît énorme, malgré, je le sais, l'augmentation du taux d'indice. Je voudrais rappeler également qu'on avait fait une projection de 2001 à 2026. En 2021, quand la hausse des taux avait été votée, il y avait une projection sur les 6 années à venir, sur les dépenses et les recettes et l'évolution du budget de l'agglo. Bon, ben là, on est en 2023, donc on a atteint les dépenses de 2026 en termes de projection. Donc, ce qui veut dire que la hausse de fiscalité a été englobée par du fonctionnement. Voilà. Donc ça, c'est très inquiétant pour la suite. Et je me répète, je m'interroge sur ce chapitre dépenses personnelles. Je ne comprends pas pourquoi on monte à 10,2 millions, malgré la hausse du 3,5 d'indice. Voilà. Et je suis comme André. Moi, j'aimerais qu'on affine un petit peu plus ces choses-là à l'avenir. Je pense qu'on a déjà donné l'explication. Hein. Les différentes hausses qui sont intervenues par rapport à ce chapitre-là. Donc, on va pas... Il y a Jean-Philippe Huelin et ensuite Jean-Yves Ravier. Oui, chers collègues, si j'étais provocateur, et vous savez que j'aime beaucoup l'être, je dirais que ce budget ravira ceux qui n'attendent rien de l'agglo. Mais je pense que le problème, ce n'est pas un problème budgétaire. Moi, je salue et je remercie le travail que fait quotidiennement Pierre. C'est pas un problème budgétaire, c'est un problème d'orientation politique. Il n'y en a pas. En tous les cas, j'en vois pas. Je ne sais pas où elles sont, je ne sais pas en fonction de quoi se font les choix. Et donc, à la fin, on a un budget, mais on ne sait pas vers quoi on va. Et quelque part, on ne s'est pas doté, vous ne vous êtes pas doté des outils nécessaires pour faire des choix. Je ne vois toujours pas de projet de territoire. Donc, ça veut dire qu'on ne sait pas dans quel cadre on évolue. Et je ne pense pas, Claude, tu faisais référence à cela, que le PLUI, l'éventuel PLUI, puisse suffire et remplacer un projet de territoire. C'est un aspect très important, mais ce n'est pas le seul. D'ailleurs, on n'a pas fait le bilan du précédent, qui était certes sur une durée courte, mais qui avait eu le mérite quand même d'exister. Il n'y a pas non plus de plan pluriannuel d'investissement, donc on ne sait pas en fonction de quoi se font ces investissements. Moi, je me souviens très bien qu'on avait eu des exposés très, très, très savants sur l'état de nos routes,
qui nous expliquait qu'il fallait au moins 800 000 euros par an pour maintenir le patrimoine routier de l'agglo. Or, là, nous sommes en dessous et est inclus dans cette somme les ouvrages d'art. Donc, ça veut dire que l'on n'entretient plus non plus ce patrimoine-là, qui est pourtant notre principale dépense. Je prendrai aussi l'exemple du conservatoire, parce qu'on peut se dire, bon, est-ce qu'on est à 30 000 euros? Mais quand je vois notre capacité d'investissement, je me dis que les 30 000 euros sont toujours bons à prendre. Je ne comprends pas cet investissement sur le conservatoire d'une entrée, sachant qu'il y en a déjà une, et sachant que ce projet qui a été débattu en conseil d'établissement n'était pas le bienvenu ni par les utilisateurs, c'est-à-dire les élèves, ni par les professeurs. Or, je vois que nous persistons à vouloir dépenser cette somme qui n'est demandée par personne quant aux utilisateurs du bâtiment. Je pense qu'il serait plus utile, si on veut absolument les dépenser pour le conservatoire, de faire une étude de faisabilité sur un autre bâtiment pour ce bâtiment dans lequel nous n'investissons plus depuis plus de 10 ans parce qu'il est amené à disparaître. Donc je pense qu'il faudrait plutôt préparer l'avenir plutôt que de mettre de l'argent dans un bâtiment qui ne servira à rien. Pourquoi il n'y a pas d'orientation? Parce qu'il n'y a pas de moyens. Mais il n'y a pas de moyens parce que vous n'avez pas été jusqu'au bout du pacte fiscal et financier qui aurait dû donner un peu plus de moyens à l'agglomération, d'investir, de drainer un peu mieux l'épargne disponible dans notre territoire vers l'agglo, ce qui incluait bien sûr des efforts des communes. Mais je vous rappelle que quand on investit au sein de l'agglo, c'est pour tous les habitants. Et donc ici, comme ce pacte n'a pas été jusqu'au bout, ben, on n'a pas de moyens supplémentaires. Et donc on gère toujours à la petite semaine en quelque sorte cette incapacité d'investissement. Alors je pense effectivement, quitte à déplaire, que notre agglo elle est pour l'instant à l'arrêt, on se réunit et puis on est toujours très heureux de se voir, mais on sent bien que ça ne sert pas à grand-chose. Elle est en sommeil, moi je vois qu'on ne prépare pas l'avenir actuellement et ça m'inquiète. Et donc en conséquence, je ne voterai pas le budget. Oui, on avait compris que vous ne voteriez pas le budget, mais je crois quand même qu'il faut, il faut préciser un certain nombre de choses. Moi, je voudrais me faire le porte-parole du bureau exécutif pour quand même signaler tout le travail qui est fait tous les lundis soirs et pour essayer justement de piloter au plus juste nos budgets. Bon, on sort aussi d'une période qui a été difficile, hein, et je pense que personne ne va le nier aujourd'hui. Que d'un autre côté, les recettes qu'on nous attribue et les possibilités de faire évoluer ces recettes qui sont maintenant quasiment attribuées par l'État ont beaucoup diminué. Donc on a peu de marge de manœuvre dans la fiscalité du bloc communal. Je crois qu'il faut le signaler parce que cet élément-là est important. On compense les moyennes des 2 ou 3 années précédentes et ensuite ça reste l'inflation d'aujourd'hui. Je pense que les plus anciens d'entre nous vont retrouver des taux d'inflation qui étaient ceux d'une autre époque. Effectivement, comme l'a signalé Michel Fischer, on a augmenté la fiscalité il y a 2 ans en taxe foncière, et heureusement qu'on l'a fait, parce que ceux qui ne l'ont pas fait vont être en grande difficulté aujourd'hui. Le bonus et la marge de manœuvre qu'on s'était donnée, effectivement, elle est aujourd'hui perdue par les différentes augmentations. Donc voilà, on a eu la dernière fois le compte-rendu de la Chambre régionale des comptes. Effectivement, on a parlé du pacte financier, on a parlé du plan pluriannuel d'investissement. Et en 2023, ce sera encore un... On a 30, je vous avais dit l'autre fois, il y a 36 chantiers en route sur... qu'on essaie de piloter en parallèle. Et donc, ces chantiers-là font partie des chantiers prioritaires. Jean-Yves Ravier, qui avait demandé la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Je vois que Monsieur Hélin a toujours autant de respect et de reconnaissance pour les élus et pour les services qui travaillent. Je pense que tout le monde appréciera à sa juste valeur ses propos.
Je voulais juste revenir sur... normalement, on ne compare pas CABP, mais M. Fischer l'a fait, donc je vais le faire aussi sur les charges, puisque si on les comparait sur les... Le personnel, c'est bien, mais il faut aussi le comparer sur les charges à caractère général qui ont augmenté de 1,3 million d'euros. Donc, effectivement, entre le CR 2021 et le BP 2023. Donc, ça explique aussi notre capacité d'autofinancement qui baisse. Je pense que c'est une situation que tout le monde subit, que toutes les collectivités subissent, que toutes les communes subissent. Et l'agglo de Lens n'échappe pas à cette règle. Donc effectivement, on est dans une situation peut-être un petit peu difficile, mais il ne faut quand même pas noircir le tableau. C'est une situation qui est nationale, et je pense que tout le monde est obligé de se serrer les coudes, tout le monde essaye de faire des économies, et je remercie effectivement les encouragements qui ont été portés aux services qui ont travaillé pour faire ce budget, parce que ce n'est pas facile non plus pour eux. Ils travaillent dans des conditions difficiles quand on leur demande de faire des économies. Je pense qu'il y a un moment, il ne faut quand même pas non plus tomber dans le catastrophisme. Je pense qu'il faut regarder la réalité en face. La France est dans une situation difficile de par la crise du Covid, la crise énergétique. Donc effectivement, c'est une situation compliquée, mais je pense qu'on est là pour la gérer. Et il faut des fois passer par des phases un petit peu difficiles pour rebondir. Mais évitons de tomber dans un catastrophisme propre à l'agglomération de Lens. Thierry Gaffiot. Ben, je crois qu'on a bien fait de voter la première délibération qui fait adhérer notre communauté de communes à l'AMJ et donc à l'AMF. Parce que pendant que le débat a lieu, et cette présentation qui montre la difficulté de notre collectivité à essayer de tenir tous les bouts du fonctionnement des services publics, des investissements, je me suis un peu promené sur les sites de l'AMF et des associations des maires dans des départements. J'ai sous les yeux celle de l'Île-de-France, avant c'était celle du 62 et d'autres. Tous les élus, partout, dans la diversité et le pluralisme, ils sont en train de dire, pousser un cri d'alarme, face à l'explosion des prix de l'énergie, l'association des maires d'Île-de-France redoute de devoir réduire des services publics. À part que nous. Avec la fin programmée de la cotisation de la valeur ajoutée des entreprises, c'est une décision qui a été prise par l'Assemblée nationale et le gouvernement, qui va priver les collectivités locales de ressources importantes qui permettraient aujourd'hui de mieux vivre et donc de prévoir des investissements et du fonctionnement, premièrement. Deuxièmement, toutes les associations, enfin un grand nombre d'associations de communes et d'intercommunalités interpellent pour revenir au prix régulé de l'énergie et donc de l'électricité. Ce qui n'est pas encore gagné, mais tous les élus, partout sur le territoire, demandent à ce qu'on redevienne à ces tarifs régulés et ils ont été dérégulés dès lors que l'énergie est rentrée dans le marché de l'énergie. Et c'est une décision gouvernementale qui peut permettre d'en sortir. Tout est possible. Et donc de redonner des moyens aux collectivités, quelles qu'elles soient, communes, EPCI, communes rurales, métropoles, communes urbaines, d'avoir des marges de manœuvre pour, un, faire fonctionner les piscines, parce que c'est de ça qu'on parle, les médiathèques, les bibliothèques, comme l'a très bien dit Monsieur le Vice-président, les crèches, de reconnaître les personnels. On passe notre temps à les remercier, mais quand même, les 3-5%, c'est plus que mérité, c'est encore moins que l'inflation. Et nous savons que nous avons des difficultés à recruter du fait des grilles indiciaires dans la fonction publique. C'est une réalité, comme dans beaucoup d'autres métiers partout. Et puis, nous n'arriverons pas, tous autant que nous sommes, si les choses restent bloquées, à trouver des solutions à ce qui est en jeu. Et malgré cela, dans Éclat, nous arrivons à avoir des investissements programmés. Nous n'avons pas fermé la piscine, les crèches fonctionnent, la médiathèque accueille du public. Voilà, on arrive à faire ça. Mais c'est clair qu'il nous faut continuer à interpeller dans le cadre des instances telles que l'AMJ et de l'AMF pour que les communes puissent répondre au vivre ensemble. Merci. Moi, je propose qu'on continue pour le budget régie eau, assainissement.
Alors, on a le choix. Ou on continue la présentation, ou, et puis on passera toutes les délibérations après, l'une derrière l'autre, parce qu'on va les voter au chapitre, il faudra faire l'énumération. Je vous propose qu'on le fasse dans cet ordre. On fait la présentation et on votera les différents budgets après. OK. Bon, la parole à Jean-Yves. Eh bien, bonsoir à tous. Jean-Yves Bailly, président de la Régie Eau. Donc, au niveau du budget eau, dépenses d'exploitation, 5 863 000. Donc, on a les charges à caractère général, 1 148 000. Les charges de personnel, 798 000 euros. L'atténuation de produits, 750 000 euros. Au niveau des charges de personnel, on a la volonté politique de continuer et de renforcer le travail qui est fait au niveau de la qualité de l'eau et renforcer le travail de Christine Combe. Donc on souhaite recruter une personne sur ce poste-là. Les enjeux au niveau de la qualité de l'eau sont énormes et il faut qu'on s'en donne les moyens. Et il y a un recrutement également qui va se faire très prochainement, j'espère, pour un poste de fontainier. Nous avons sur la dépense d'exploitation transfert de la section d'investissement 1 712 000. Au niveau des recettes d'exploitation, vente produit 5 857 000, subvention d'exploitation 133 000. Au niveau de la section d'investissement, donc on a des dépenses d'équipement 2 417 000, immobilisation incorporelle 130 000, immobilisation corporelle 2 287 000. Nous pouvons dégager un autofinancement d'1 072 000 et nous réaliserons, on a le projet de réaliser donc un emprunt d'1 676 000. Il y aura un emprunt d'équilibre avant l'affectation de résultats pour un montant de 876 000. Et puis nous allons réaliser un emprunt pour les travaux au niveau de la maison de l'eau sur Montmorol, bâtiment qu'on a réglé, et puis il y a des travaux qui sont à réaliser. Voilà au niveau globalement le budget. Hein, il a été bien évidemment vu et débattu en régie eau. Donc, budget qui s'équilibre à investissement 2 833 000 et puis en section d'exploitation 6 935 000 euros. Donc au niveau de la tarification de l'eau, donc on souhaite continuer sur le tarif de convergence tarifaire. Donc on reste sur cette ligne. On n'augmentera pas par ailleurs le prix de l'eau. On reste sur ce qui avait été défini initialement. Si on prend, pour information, si on prend le coût de l'eau en moyenne nationale. Alors, j'ai en moyenne nationale en France en 2020, elle est à 2,11 euros le mètre cube. Sur l'once, il était en 2020 à 1,53 euros mètre cube. Montmorot 1,93. Tout ça pour dire qu'on est en deçà de la moyenne nationale. On est également en deçà au niveau de l'assainissement. Philippe pourra également, bien évidemment, en parler. Donc, les tarifs restent tout à fait corrects. Ce sont des tarifs de régie. Au niveau des actions, on en a parlé en débat budgétaire, des actions pour la prévention de la ressource. Donc, on a prévu une dépense de 100 000 euros au titre des missions pour la préservation de la ressource. Villedieu, 80 000 euros. Trenal, 5 000. Moiron, 5 000 euros. Montaigu, 5 000. Revigny-Conliège, 5 000 euros. Le recrutement, j'en ai parlé. Nous continuons bien évidemment les actions pour la poursuite du paiement du service environnementaux pour la somme de 800 000 euros. Et le poste que nous créons va également travailler, bien évidemment, sur les PSE. En ce qui concerne le renforcement de la qualité d'eau,
Nous continuons les efforts, le travail qui est engagé, qui commence à porter ses fruits par rapport au S-métholachlore. Nous réaliserons également un suivi des hydrocarbures sur les sources de Montaigu par rapport au projet de la côte de Montaigu. On a une vigilance par rapport aux sources de Montaigu. Travaille également par rapport aux nitrates. Et puis, nous avons une expérimentation sur les préleveurs passifs. Et nous continuons la stratégie foncière pour maîtriser où il faut les usages. Donc, au niveau des grands projets 2023, nous avons prévu 130 000 euros au niveau des frais d'études, notamment le schéma directeur de l'eau et qui sera financé à 50% par l'agence de l'eau. Au niveau des équipements, nous continuons, pareil, c'est toujours par rapport aux économies d'eau, nous continuons le travail et les investissements qui sont importants sur le renforcement des canalisations pour 986 000 euros. Nous prévoyons la possibilité où cela est nécessaire de faire des acquisitions foncières. J'avais parlé d'un emprunt par rapport à l'aménagement et l'installation sur le site de la maison de l'eau à Momoro. Nous avons des renouvellements de matériel roulant et nous continuons l'acquisition de compteurs d'eau. Donc ça, c'est bon ? Oui. C'est bon pour la régie eau. Est-ce qu'il y a des questions sur ce volet-là ? Donc ça a été largement débattu dans le cadre de la régie. S'il n'y a pas de questions, on passe au budget suivant. Et puis on passera donc tout en revue, budget par budget, pour le vote des sections hein, et par chapitre. Donc, régie assainissement. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Philippe Fourneau, président de la régie d'assainissement. Donc, notre budget pour l'année 2023 en recettes d'exploitation va être de 3 868 100. Donc, on a une vente des produits pour 3 700 000, des subventions d'exploitation pour 13 500. Les produits exceptionnels pour 548 600, les opérations d'ordre pour 299 000. En dépenses d'exploitation, l'on monte à 2 609 600, les charges à caractère général pour 1 682 600, qui augmentent énormément vu l'électricité et les produits, puisqu'on utilise beaucoup de produits chlore, etc., dans nos stations. Les charges de personnel pour 759 900, l'atténuation de produits pour 10 000 euros, les autres charges de gestion courante pour 3 600, les charges financières pour 137 000 et les charges exceptionnelles pour 16 500. Nous avons un transfert à la section d'investissement, l'amortissement et virement pour 1 258 500 euros. En investissement, si on reprend la recette d'investissement, nous allons avoir un autofinancement de 1 258 500 euros. Nous allons faire un emprunt de 1 440 600 euros. Donc cet emprunt, ça nous permet de continuer nos investissements que l'on a fait jusqu'à présent et de permettre aux entreprises de passer le cap 2023 qui va être difficile pour tous. Mais il faut parler aussi à nos entreprises parce que nos entreprises, tous les jours, elles travaillent pour nous et en même temps, elles font vivre l'agglomération, hein, parce que c'est des gens qui sont du secteur. Et donc, on ne peut pas non plus... ça fait partie du tissu industriel, donc on doit les soutenir. Donc, on a recours à un emprunt de 1 460 600, sachant que l'extinction de notre dette est très inférieure, puisqu'on a une extinction à peu près de 1,29 ans. Donc ensuite, le FCTVA pour 420 000 en recettes et les subventions d'investissement pour 900 000 euros, c'est l'agence de l'eau. Donc après, en dépenses d'investissement pour 3 507 100, dont les immobilisations incorporelles pour 400 000 euros, les immobilisations corporelles pour 2 507 100,
et les immobilisations en cours pour 600 000 euros. Donc, si on reprend, notre dépense d'investissement va être de 4 019 100 et nos dépenses d'exploitation de 3 868 000 100 d'exploitation. Donc, si on regarde juste les graphiques, on s'aperçoit quand même dans les charges de personnel. En 2022, nous étions à 806 000 de personnel. Et en 2023, nous serons à 759 900 €. Donc, nous baissons en personnel tout en ayant aussi l'augmentation des 3,5%. C'est simplement dû, et avec un recrutement supplémentaire, c'est simplement dû par la mutualisation entre les deux services régiaux et assainissement, où notre pôle administratif et notre pôle exploitation est un tronc commun. Donc, on a beaucoup de tâches qui se font entre les deux. Donc, ça nous permet quand même de mutualiser et de baisser un petit peu nos coûts d'exploitation. Autrement, ça reste pareil. Donc, les redevances d'assainissement. Donc, nous aurons une augmentation de 5% de la redevance d'assainissement en 2023. Cette augmentation de 5%, elle est déjà inscrite au programme pour 3%, puisqu'on l'avait fait depuis 2020. Donc, c'est un programme pluriannuel, vous savez, sur les investissements que l'on réalise pour 50 millions d'euros sur 10 ans, qu'on ne pourra pas tenir parce que c'était trop élevé, mais on arrive entre 3 et 4 millions chaque année, et 2% pour essayer d'atténuer un petit peu la charge des produits et la charge d'électricité, puisque cette année, nous allons un projet, on va atterrir à environ 300 000 euros de charge d'électricité, par exemple, et nous avons prévu 670 000 euros. Une augmentation des dépenses d'économie et des produits de traitement et une volonté de ne pas réduire les investissements, ce qui va nous amener à un montant de redevance de 1,576 le mètre cube, 1,576 euros le mètre cube, ça fait à peu près 9 euros d'augmentation pour un foyer qui dépense 120 mètres cubes d'eau. C'est un foyer normal, à peu près, si on compte 120 mètres cubes d'eau. Donc, nous allons aussi, par un souci d'équitabilité, augmenter la redevance d'assainissement non domestique avec 5%. Et les accueils d'apport extérieur, augmentation de l'accueil des matières de vidange, une augmentation de l'accueil des lixivia et boues liquides, le maintien des autres tarifs et les contrôles de branchement, une augmentation du forfait à 100 euros. Nous reviendrons plus tard sur un autre débat sur les tarifs. Donc, nos grands projets 2023 sont les frais d'études pour 350 000. Donc, c'est le schéma directeur des petites STEP pour 340 000. Et c'est la modélisation d'un ouvrage de déversement pour 10 000 euros. Les équipements et grands travaux au chapitre 21 pour 686 000. C'est le dégrilleur principal de Montmoreau pour 200 000. L'achat de matériel roulant pour 70 000. Les travaux de réseau au Messia, route de Lyon, 294 000. Macornet RD 117. 171 600, Montmoreau-Maty 384 000, Courland-Montarlier 114 000, Courlaou chemin des Étangs 348 000, Chilly-Val-de-Sorne 181 000, Montaigu, le bas de la descente pour le déplacement du RD pour 36 000 euros, Lons-Marseillaise pour 120 000 euros et Lons-Schumann pour 181 000 euros. Et au chapitre 23, nous inscrirons 600 000 euros pour la station d'épuration de Tronal. Avez-vous des questions? S'il n'y a pas de questions, on va continuer. On continue sur les transports mobilité avec Claude Janier. Bonsoir à tous. Donc, en dépenses d'exploitation, nous sommes à 2 217 450, donc, qui se décompose en charges à caractère général pour 416 450, charges de personnel 55 000 et les autres charges de gestion courante 1 746 000. Donc, ceci, c'est nos remboursements à la région du transport des scolaires et puis aussi donc, le coût des transports urbains. En recette, nous sommes à 2 249 000, dont le versement mobilité, la impôt et taxe pour 1 100 000, et les subventions d'exploitation d'1 130 000. Donc, c'est le versement de la région par rapport au transfert de la compétence transport au sein d'Éclat.
En dépenses d'ordre, donc en investissement, nous sommes à 69 962 et les prévisions de travaux à 831 000. Et donc en face, il faut lire recettes d'ordre d'investissement et non dépenses pour 50 962 avec un autofinancement de 31 550. Un emprunt d'équilibre de 233 850 et une subvention d'investissement de 584 600. Donc vous trouvez les histogrammes en bas qui vous représentent ces différentes valeurs. Bon, on a quand même, je dirais, une stabilité correcte. Donc les grands projets pour 2023, donc ce qui représente les 831 000 euros, c'est les travaux de mise en accessibilité des accès, des quais, tout ça. L'aménagement signalétique, pour notamment sur les voies vertes. L'éventuel achat de vélos électriques pour un montant de 36 000. Les travaux d'aménagement des voies douces de Lons-Nord pour 316 000. Aménagement voie douce Messia-Jevinger, 360 000. Et des travaux de sécurisation des pistes cyclables et bandes cyclables pour 100 000. Voici. Est-ce que vous avez des précisions ou des questions? Bon. Ben c'est bon, merci. On passe à la suite. Il y avait une question? Non, tu veux dire quelque chose? Ah ben. Non, par rapport, je trouve quand même une petite remarque, hein, par rapport au déplacement d'eau, par rapport à l'assainissement, il y a des investissements quand même très importants qui sont faits sur les problématiques de l'eau, du traitement de l'eau, de la déconnexion des surfaces au niveau de la gestion du pluvial. Il y a des investissements quand même très importants au niveau de la qualité de l'eau. Par rapport à la problématique de la ressource, il y a les pages qu'on a mis. On a très concrètement, Philippe a beaucoup travaillé là-dessus sur la construction des pages. Et je trouve quand même que sur cette problématique de l'eau, de les déplacements, il y a un beau projet politique qui se met en place. Effectivement, la somme des budgets est quand même. Y compris en termes d'investissement, assez important. On va continuer. Alors, on va passer budget annexe opération commerciale industrielle. Recettes de fonctionnement de 108 750, dont produits de gestion courante 160 000 et opérations d'ordre 48 000. Les dépenses de fonctionnement pour 82 350. Charges à caractère général 64 000. 17 000 de frais de personnel. 500 euros de gestion courante avec un transfert à la section d'investissement de 126 400, ce qui nous donne en recette d'investissement 126 400 en autofinancement, des cautions pour 1500 euros et des subventions d'investissement pour 475 000 euros. Dépenses 602 900, dont subvention d'équipement 150 000, les incorporels 65 000, corporels 92 900, les immeubles en cours pour 50 000 et du remboursement de capital de la dette pour 197 000. Donc au niveau des totaux de budget, 602 900 de dépenses d'investissement, 208 750 de fonctionnement. Donc on rappelle que les recettes de fonctionnement sont uniquement composées de la vente des terrains qui s'élèvent à 555 000 depuis 2017. On espère avoir quelques ventes en 2023, mais les prévisions des entreprises ont quand même nettement chuté. Il faut bien se l'avouer. Alors, les grands projets pour 2023, 357 900. Alors, vous voyez, on a de l'aménagement par la fibre, 70 000. L'aménagement numérique accès fibre pour toutes les EDAE, 80 000. Il y a encore des travaux sur la zone de Messia, 75 000. Et des frais d'études pour le parc d'innovation technologique, le PIT, 45 000. Diverses études et travaux pour 17 900. Des achats de terrain à finaliser pour 20 000 euros.
et des travaux d'aménagement pour la zone de Messia, 50 000 euros. Est-ce qu'il y a des questions ? Non. Allez, on enchaîne sur l'UPVE, vente d'électricité. Bon, là, c'est relativement simple. En exploitation, 34 000, bah, c'est l'électricité qu'on produit, qu'on vend. Dépenses d'exploitation, 3 550, ce qui fait qu'on peut virer à la section d'investissement 30 800. Donc, c'est l'autofinancement. Un emprunt d'équilibre de 3 700, des subventions d'investissement de 17 500 et on pourrait investir 52 500. Donc un total de 52 000 en investissement, 34 000 en exploitation. Et c'est tout ce que j'ai à vous présenter sur l'UPVE. Donc on va passer à toute la partie vote qui va être un peu fastidieuse. Hein. Je précise pour les internautes, je connais réglementairement... obligé de lister chapitre par chapitre, section par section sur l'ensemble des budgets. Donc ça va être un peu fastidieux. On votera donc à chacun des budgets. C'est Pierre qui va vous détailler. Allez, je vais lire. Fois. Donc budget primitif principal éclat qui s'équilibre à la somme de 30 905 433 euros. Section de fonctionnement. Bon, je vais vous donner le nom des chapitres. Le numéro plutôt que de tout vous lire. Chapitre 011, 3 985 380. Chapitre 012, 10 202 700. Chapitre 014, 3 015 000. Le 65, 6 795 720. 66, 532 000. Le 67, 8 500. Le 68, 1000. Le 023, 478 800. Le 042, 1 610 000. Total, 26 629 100. En recettes, chapitre 013, 20 000. 70, 1 455 000. Chapitre 73, 6 100 000. Chapitre 731, 13 222 000. Le 74, 5 617 000. Le 75, 109 300. Le 77, 5 000. Le 042, 100 800, total 26 629 100. Investissement, dépenses, chapitre 20, 254 700. Le 204, 126 000. Chapitre 21, 1 569 833. Chapitre 23, 155 000. Le 16, 1 878 000. Le 45, 90 000. Chapitre 040, 10 800. 041, 10 200, total 4 276 333. En recettes, chapitre 13, 250 533. Le 16, donc les emprunts, 1 500 000. Chapitre 10, 245 000. Chapitre 45, 90 000. Chapitre 21, 478 800. Chapitre 040, 1 610 000. Chapitre 041, 102 000, total 4 276 333. Donc, on vous demande d'adopter le budget primitif 6 juin et voter l'ensemble des propositions du budget primitif principal au niveau des chapitres pour la section de fonctionnement ainsi que pour la section d'investissement. Donc, c'est ce qui vous sera demandé à chacun des budgets. On va passer au vote. Juste une précision, Pierre, chapitre. 040, c'est 100 800 et pas 10 800. Puis le 41, c'est 102 000 et pas 10 200. Excuse-moi, j'ai raccourci les chiffres. Juste pour que ça soit bien calé, qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça. Alors, on va passer au vote. Qui est contre ? Une voix contre. Qui s'abstient ? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Ah, je recommence. Donc, monsieur Fischer, pour deux voix. Eh oui, madame Chambaret est partie déjà. Voilà, ok. Monsieur Fischer, avec le pouvoir de madame Chambaret. Madame Paillard, ça fait 3. Donc, Céline Trossa, 4. André Barbarin, 2. Après. Derrière, il y a
Donc Christophe Bois, une, et Sophie Olbinski, deux. Avec son pouvoir. Jean-Paul Thomas. Donc là, et puis Serge Moreau, il lève pas le dos très haut. Voilà. C'est bon, tout le monde a été cité, il n'y a pas de problème particulier. OK, merci. Alors, budget annexe, opération commerciale et industrielle. Dépenses, chapitre 011, 64 350. Chapitre 66, 17 500. Chapitre 67, 500. Chapitre 042, 126 400. Total, 208 750. En recettes de fonctionnement, chapitre 75, 160 750. Chapitre 042, 48 000. Même total. Section d'investissement, chapitre 20, 65 000. 204, 150 000. 21, 92 900. 23, 50 000. Chapitre 16, 197 000. Chapitre 40, 48 000. Total, 609 900. En recettes, chapitre 16, 1500. Chapitre 024, 475 000. Chapitre 040, 126 400. Total, 609 200. Donc, même vote qui est contre, qui s'abstient. Alors, abstention. Donc, Christophe Bois, une, et Sophie Olbinski, deux. Est-ce qu'il y a d'autres ? Non. OK. Ça fait trois abstentions. Et on enchaîne. Alors, UPVE. Donc un total de 86 350, section d'exploitation dépenses, chapitre 011, 3 050, chapitre 67, 500, chapitre 042, 30 800, total 34 350, en recettes, chapitre 70, 24 700, chapitre 77, 9 650, total équivalent, section d'investissement, chapitre 20, en dépenses pour 52 000, en recettes, chapitre 13, 17 500. Chapitre 16, 3 700. Chapitre 040, 30 800. Total, 52 000. Vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Pareil que le 3. Abstention. Et on enchaîne. Alors, budget de l'eau, qui s'est... Total 9 768 300. En exploitation, dépenses, chapitre 11, 1 148 350. Chapitre 12, 798 950. Chapitre 014, 750 000. Chapitre 65, 2 168 700. Chapitre 66, 69 200. Chapitre 67, 927 800. Chapitre 042, 1 072 000, total 6 935 000. Recettes, chapitre 70, 5 857 000. Chapitre 74, 133 000. Chapitre 77, 847 500. Chapitre 042, 97 500, total 6 935 000. Investissement, dépenses, chapitre 20, 130 000. Chapitre 21, 2 287 000. Chapitre 16, 318 800. Chapitre 040, 97 500. Total, 2 833 300. Recettes, chapitre 13, 85 000. Chapitre 16, 1 676 300. Chapitre 040, 1 072 000. Total, 2 833 300. Qui est contre ce budget annexe O ? Personne. Qui s'abstient ? Même que celui d'avant. Et on continue sur l'assainissement. Total des dépenses et des recettes, 7 887 200. En exploitation, dépenses, chapitre 11, 1 682 600. Chapitre 12, 759 900. Chapitre 014, 10 000. Chapitre 65, 3 600. Chapitre 66, 137 000. Le 67 pour 16 500 et le 042 pour 1 258 500, total 3 868 100. Les recettes, chapitre 70, 3 007 000, le 74, 13 500,
Chapitre 77, 548 600. Chapitre 042, 299 000. 3 868 100 au total. Investissement, dépenses, chapitre 20, 400 000. 21, 2 507 100. Chapitre 23, 600 000. Chapitre 16, 213 000. Chapitre 040, 299 000. Total, 4 019 100. Les recettes, chapitre 13, 900 000. Chapitre 16, 1 440 600. Chapitre 10, 420 000. Chapitre 040, 1 258 500. Total, 4 019 100. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Trois comme tout à l'heure, même. On passe au dernier. Le dernier, le transport. Donc, il s'équilibre à 3 149 962,80. Donc, en exploitation dépenses, chapitre 011, 416 450. Chapitre 012, 55 000. Chapitre 65, 1 746 000. Chapitre 023, 2 550. Chapitre 042, 29 000. Total, 2 249 000. Recettes. Chapitre 73, 1 100 000. Chapitre 74, 1 130 000. Chapitre 042, 19 000. Même total. Section d'investissement, dépenses. Chapitre 21, 55 000. Chapitre 23, 776 000. Chapitre 040, 19 000. Chapitre 041, 50 962, 80. Total, 900 962, 80. Recettes, chapitre 13, 584 600, chapitre 16, 233 850, chapitre 021, 2 550, chapitre 040, 29 000, chapitre 041, 50 962 80, même total 900 962 80. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Pareil, même vote que tout à l'heure. Donc on a fini ce travail sur le budget. Moi, je voudrais quand même remercier tous ceux qui ont travaillé sur ce gros programme. On a un budget pour l'année 2023, que ce soit les élus ou les services, et que ce soit les élus qui soient au bureau exécutif, mais aussi dans les deux régies, qui sont aussi en commission des finances et qui travaillent dans les différentes commissions. Pour aboutir à monter tous ces budgets, c'est très compliqué en ce moment. Et je pense qu'on aura à y revenir encore durant l'année 2023, comme on l'a dit tout à l'heure. On va continuer sur le dossier numéro 4, Pierre, pour une décision modificative. C'est déjà la sixième. Pour cette fois, on revient en 2022. Donc la dernière, c'est une atténuation de produits pour 250 095. En fait, c'est le reversement du montant des eaux pluviales au budget assainissement. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Dossier 5, fongibilité des crédits. Je ne vais pas vous la relire entièrement. C'est simplement la possibilité qui est donnée au président de faire des mouvements à l'intérieur de chaque dépense, section de dépenses, en dehors des dépenses de personnel, jusqu'à la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles de chacune des sections. Donc c'est une délibération qu'on prend tous les ans et qui nous permet d'avoir de la souplesse, sachant que, de toute façon, tout passe majoritairement par des décisions modificatives. Merci. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Alors, on passe cette fois aux compensations. Alors, communication des attributions de compensation définitive. Donc, on arrive à fin décembre et on a eu le retour de l'approbation des communes concernant le rapport de la CLECT. Donc, on peut entériner les attributions de compensation. Je vous fais grâce de la liste puisque vous l'avez sous les yeux. La
Le deuxième point, par contre, sur lequel on vous demande de vous prononcer, c'est suite à des problèmes d'émission de mandat et titres par éclat pour les années sur les attributions de compensation antérieures à 2021. Et ils n'ont pas été émis pour les bons montants, et notamment en faveur de l'ONS pour une compétence qui avait été arrêtée en 2018. Donc, sur ces quatre années-là, on doit à la ville de Lons 392 000. Et comme on l'avait expliqué en commission finance et à la CLECT, on propose, comme on l'avait fait pour les retards de récupération de paiement, on va dire les régularisations, on demande la même régularisation pour leur reverser sur 3 ans. Donc, on vous demande d'approuver les montants des attributions définitives, d'approuver le montant de la régularisation antérieure à 2021 et d'approuver l'étalement de cette dépense sur 3 ans pour la commune du second tableau et de charger, Monsieur le Président, de transmettre la présente délibération au maire des communes membres d'éclat. Des questions ? Ça a été largement débattu en commission. Des questions, des observations ? Non ? Sinon, on met au vote. Qui est contre ? Serge Moreau, qui s'abstient? Donc, adopté. Donc, la suivante, ça va être, on va dire, c'est juste pour le fun. Hein. On avait dit au niveau de l'orientation, du débat d'orientation budgétaire qu'on ne toucherait pas la fiscalité. Donc là, on va fixer les taux pour l'exercice 2023. Donc la CFE ne bougera pas à 23,85%. La taxe sur le foncier bâti reste à 3,50% et le foncier non bâti à 6,70%. Donc, on reprécise que le budget primitif 2023 est élaboré à partir des éléments précités. Donc, on vous demande d'approuver les taux et on charge les services fiscaux de faire procéder au recouvrement des sommes dues par les assujettis à ces diverses taxes locales. Oui. Donc, c'est quand même un exercice imposé hein, de voter les taxes. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Je pense que l'année prochaine, ce ne sera peut-être pas aussi simple que ça. On passe au dossier 8, le dernier pour Pierre. Donc, c'est le... Non, j'en ai encore un après. Encore un après. Ouais. Versement d'une subvention d'équilibre au syndicat pour la réalisation d'un projet d'assainissement collectif, autrement dit le CERPAC. Alors, on rappelle que la commune de Beaume a rejoint Éclat au 1-1-2019. Parmi les compétences transférées figurait la compétence assainissement exercée via le CERPAC à double titre et le CIAR pour le traitement. Le CERPAC étant un syndicat intercommunal et supracommunautaire, il ne pouvait être dissous ou fusionné. Et donc, Éclat s'est substitué à Beaume dans ce syndicat. Pour assurer l'équilibre financier de ce syndicat et notamment assurer le remboursement de l'emprunt contacté pour les travaux de recordement de Beaume à Neuvy-sur-Seille, la commune de Beaume versait tous les ans sa quote-part au financement sous forme de fonds de concours. Beaume ne possédant plus la compétence, c'est donc à Éclat de se substituer à la commune pour financer le déficit structurel du CERPAC. D'un point de vue comptable, le paiement avait été attribué à la régie assainissement de par la nature et l'objet même du paiement. Or, il nous est apparu très rapidement que cette affectation posait problème. En effet, Éclat Assainissement ne possède aucun actif dans le CERPAC, ne collecte aucune redevance assainissement sur la commune de Beaune et prend en charge dans cette régie assainissement cette subvention d'équilibre sur un réseau dans lequel elle n'intervient en aucune sorte reviendrait à faire supporter aux usagers d'Éclat Assainissement et eau une charge qui ne les concerne pas, entraînant de facto une rupture dans l'équité de service. Aussi, il est apparu évident que ce remboursement devait être supporté par le budget principal. Les services du Trésor nous demandent de régulariser ces flux financiers par une délibération. Il convient donc d'attribuer une subvention d'équilibre de 50 650 € pour 2022, 1794,02 € pour 2021, 54 146,46 € pour 2020, pour un montant total de 106 591,18 € pour équilibrer en dépenses et en recettes le budget du CERPAC. Mais dans le même temps, comme Éclat Assainissement avait versé des sommes
en acompte au budget assainissement, au CERPAC. On lui a versé 50 000 en 2021, 55 224 payés en 2019, total 105 224. Il faut donc qu'on reverse au budget assainissement les sommes qui ont été avancées par lui. Et on précise que le versement de cette subvention d'équilibre ne pourrait avoir valeur que par délibération concordante entre le CERPAC et Éclat. On vous demande d'approuver le versement d'équilibre au CERPAC pour sa réelle mise en œuvre. Donc il faut une délibération concordante entre le CERPAC et Éclat. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Approuver le montant de la subvention d'équilibre accordée au CERPAC et ses arriérés pour un montant de 106 591,18. Et la même chose pour la régie d'assainissement pour 105 224. Dit que les crédits sont inscrits au budget principal Éclat 2022, chapitre 65, nature 657-354. Et on charge Monsieur le Président de transmettre la présente délibération au CERPAC. Merci Pierre. Des questions, Monsieur Moreau. Bon, je ne vais pas être long parce que de toute façon, donc dans ce genre de délibération qui est assez complexe, effectivement, les conseillers ne connaissent pas les tenants et aboutissants de tout ça. Donc simplement, je vais fixer deux points qui me paraissent essentiels. Premièrement, en fait, c'est une gesticulation comptable pour essayer d'étayer l'argumentation d'Éclat dans son litige avec Baume, en essayant de transformer le versement pour un remboursement d'emprunt par une subvention d'équilibre. Alors, une subvention d'équilibre, vous savez ce que c'est ? Une subvention d'équilibre, bon, vous êtes déficitaire et bon, on vous envoie une somme pour rétablir l'équilibre. En l'occurrence, ce n'est pas le cas, puisque déjà, ce sont des sommes qui sont définies préalablement depuis le début de l'emprunt et qui sont définies également jusqu'en 2040. Donc, subvention d'équilibre jusqu'en 2040, je demande à voir. Ensuite, subvention d'équilibre, non, parce que le CERPAC fait du bénéfice. Hein. Chaque année, le CERPAC, en fait, c'est un syndicat génial, finalement, et il ne fait rien, hein, parce qu'en fait, il ne fait que rembourser l'emprunt et on lui verse les remboursements. Donc, Novi et Baume ou Éclat versent pour rembourser l'emprunt. Et parallèlement à ça, le CERPAC, effectivement, a des redevances en fonction de l'eau. Donc, il est bénéficiaire chaque année. Il est largement bénéficiaire. Par contre, effectivement, il faut quand même... Il y a des frais qui sont des frais d'administration, parce que, oui, il faut bien comptabiliser 3-4 écritures comptables, plus acheter 2-3 stylos et une secrétaire, un bout de secrétaire, un bout de... Voilà. Donc, mais chaque année, le CERPAC est largement bénéficiaire. Donc, subvention d'équilibre, je demande à voir. Ça, c'est le premier point. Deuxième point important, Éclat va verser à la place... à la place de l'assainissement, ça paraît quand même pas très cohérent, même si on dit que c'est évident. Ben moi, ça me paraît pas évident, mais bon, puisque en fait, c'est quand même l'assainissement et dans le transfert de compétences, c'est un transfert de compétences sur de l'assainissement, et je vois pas pourquoi ça passe par le budget général. Deuxièmement, pourquoi Baume pouvait verser ces montants pour rembourser l'emprunt? C'était au départ destiné, et grâce à un article, qui est l'article L224-2 du Code général des collectivités territoriales, pour les communes de moins de 3000 habitants ou pour les communes ou les EPCI de moins de 3000 habitants, on avait l'autorisation de faire ce versement. Ce qui ne sera pas le cas d'Éclat, puisque Éclat... malheureusement, Éclat, c'est plus de 3 000 habitants. Donc, ça veut dire que Éclat n'aura pas l'autorisation de faire ses versements. Donc, c'était les deux points que je voulais signaler, sachant qu'effectivement, sur toute cette délibération, je considère qu'il y a beaucoup de choses qui seraient à dire aussi, ne serait-ce que pour ce qui concerne la dissolution du CERPAC, puisque c'est quelque chose qui ne sert à rien, ça devrait être dissous.
Et contrairement à ce qu'on dit dans le texte, on dit qu'il ne pouvait être dissous. Mais si, il peut être très bien dissous, mais cela impliquerait quoi ? De la dissolution, ça voudrait dire que éventuellement l'ECA reprend l'emprunt à son nom au lieu du SERPAC. Et donc ça, c'est qu'un changement finalement de titulaire de l'emprunt. Ensuite, il peut signer avec Nevi, qui est demandeur d'ailleurs, une convention pour que Nevi règle le complément. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être fait sans trop de problèmes. Voilà tout ce que j'avais à dire sur ce sujet-là, puisque de toute façon, je pense que on va aller au tribunal et puis je contesterai d'ailleurs auprès de la préfecture cette délibération. Ok, merci de l'explication, mais c'est vrai que c'est... Je peux répondre ? Oui, ben on peut répondre, oui, mais on va... Je ne vais pas m'apesantir, mais on ne doit pas avoir la même notion des finances publiques. On vient de voir six budgets dans lesquels on dit qu'il y a une capacité d'autofinancement, et la capacité d'autofinancement sert, un, à rembourser les emprunts, deux, à faire de l'investissement. Si votre SERPAC était si génial que ça, il devrait dégager une marge d'autofinancement tellement forte qu'on n'aurait même pas besoin de se poser la question de qui va rembourser les emprunts. Je pense qu'autour de la table, il y en a une majorité qui a dû comprendre ça. Apparemment, pas vous. Maintenant, effectivement, vous avez contesté à la fois l'attribution de compensation qu'on avait levée l'année dernière, alors que vous donniez bien, en fait, vous ne remboursiez pas un emprunt, vous donnez une subvention d'équilibre sur le SERPAC. Maintenant, vous n'avez pas cet état d'esprit, vous n'approuvez pas ce genre de notion. Ben, on verra, c'est au tribunal administratif, on verra qui nous donnera raison. Ben, vous ne voulez pas assumer le transfert de compétences à assainissement ? Le transfert, on l'assume complètement, mais vous vous trompez complètement. Quand vous dites que vous nous donnez des actifs, il n'y a pas d'actifs. Les actifs appartiennent à un syndicat. Ils n'appartiennent pas à Beaune. Je suis désolé. On n'a pas de redevance sur le village de Beaune. Donc, quand vous nous dites que cette délibération n'a aucune valeur, excusez-moi, tout autour de la table, ou une grosse partie des communes autour de la table font partie d'Éclat assainissement, ce n'est pas aux habitants d'Éclat assainissement à payer pour rembourser l'emprunt de Beaune. Je suis désolé. Ça a été une des premières remarques qu'on m'a fait quand on a pris le dossier il y a 2 ans. Et ce n'est pas aux usagers d'Éclat assainissement à supporter l'emprunt de Beaune qui ne concerne que Beaune. Voilà. Et c'est pour ça qu'à l'époque, Beaune, effectivement, comme vous avez moins de 3000 habitants, pouvait verser à ce syndicat intercommunal une subvention d'équilibre parce que vous n'étiez pas obligé de passer par un budget annexe assainissement. J'arrêterai là parce que effectivement, on ne va pas poursuivre le débat ad vitam aeternam. Non, mais de toute façon, c'est au tribunal administratif, il tranchera. Et puis, comme on l'a déjà dit depuis le début, il tranchera et on s'alignera sur les décisions du tribunal administratif, évidemment. Donc, on va mettre au vote. Qui est contre ? Un contre, une voix contre, qui s'abstient. L'abstention de Philippe Fourneau. Je peux expliquer mon abstention. J'aurais bien voulu que les deux délibérations, enfin qu'il y ait eu deux délibérations, une sur concernant le SERPAC et une concernant le remboursement. Puisque quand j'entends, et ça conforte dans mon idée, puisque quand j'entends Monsieur le maire de Beaune, il faudrait qu'ils réfléchissent à ce que c'est qu'une régie d'assainissement et qu'est-ce que gère une régie d'assainissement. Aujourd'hui, au SERPAC, nous ne gérons absolument pas le réseau du SERPAC. Dont acte. On va continuer sur le dossier suivant. Donc, évolution du tableau des emplois. C'est les emplois cette fois. Donc deux emplois concernés, un chargé de coopération territoriale globale. Donc lors du dernier conseil communautaire, vous aviez voté pour la nouvelle convention territoriale avec la caisse d'allocation familiale. Et dans cette démarche de nouvelle convention territoriale, la CAF nous demande d'avoir un,
un chargé de coopération qui a vocation à articuler les projets visant au maintien et au développement des services aux familles, co-construits et formalisés entre la caisse d'allocation familiale et la collectivité dans le cadre d'une convention territoriale globale. Donc on propose de recruter un agent à temps complet au sein du service Pôle Enfance avec le grade d'animateur. Alors je précise, pour ceux qui s'inquiètent des charges de personnel, que ce poste est subventionné par la caisse d'allocation familiale à hauteur de 24 000 euros. Et dans le même temps, la caisse d'allocation familiale nous maintient son soutien, et notamment la participation au poste de la directrice du Pôle Enfance, pour le même montant. Donc on n'aura que la différence, en fait, sur nos fonds propres. Le deuxième point concerne une modification du temps de travail au service des sports, au niveau des équipements sportifs, hors piscine. Donc on passe un agent qui était à temps partiel à temps complet. Voilà, donc on vous demande de décider la création du poste d'animateur à temps complet pour le CTG et la création d'un poste d'adjoint technique à temps complet à compter du 1er janvier. Et donc on supprime le poste d'adjoint technique à temps non complet, 28 heures par semaine, à compter du 1er janvier 2023. Et les crédits seront inscrits donc en 2023, sur le budget 2023. On précise qu'on avait déjà parlé de la convention territoriale globale. Elle a été signée hier avec un certain nombre de maires qui sont présents ici, puisqu'elle a vocation à articuler les projets entre ECLA et les collectivités qui sont signataires de cette convention. Il y a des questions? Non? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Avant de donner la parole aux différents vice-présidents qui vont vous présenter les délibérations qui suivent, juste une précision. On va vous demander de voter, de vous prononcer pour des demandes de financement. Comme vous le savez, la DETR, les projets DETR doivent être déposé avant le 31 décembre en préfecture. Donc il nous reste une quinzaine de jours avant de donner ces projets et espérer avoir des financements en 2023. Donc ne soyez pas étonnés que les montants qui sont portés sur ces dossiers de financement ne correspondent pas aux montants que vous avez vus sur les différents budgets inscrits. Comme je l'avais expliqué au niveau du débat d'orientation budgétaire, on a fait un budget primitif qui est exigu, exsangue, on va dire, mais on attendra d'avoir l'affectation des résultats et le devenir des subventions sur la Cité des Sports pour à nouveau les doter. Donc il serait dommage de faire des demandes de subventions qui soient uniquement réduites à ce qu'on a inscrit dans le budget primitif, sachant que l'année prochaine, on devrait avoir de bonnes surprises pour, par des décisions modificatives, augmenter les investissements. Donc tout ce que vous allez voir, effectivement, il y a des budgets qui sont ou des demandes qui sont largement supérieures à ce qui est inscrit dans le budget primitif. Voilà, je laisse la parole aux différents vice-présidents. Le premier, c'est Claude Janier. Ouais, ça méritait d'être précisé. Faut bien se rappeler que les subventions qui sont demandés là, en particulier auprès de l'État, DETR, DSIL et FNADT. C'est une subvention. Si elle est retenue, et on a 2 ans pour lancer les travaux et on a 4 ans pour les réaliser complètement. Donc c'est quand même un élément important. Là, on est plutôt dans les prévisions. On n'a pas encore le PPI, mais on est un peu dans cet esprit-là. Je suis très étonné de ce que va nous dire Pierre Poulet, parce que c'est impossible de déposer une demande de subvention avec un budget qui n'a pas été voté en conseil communautaire. C'est impossible. Les crédits seront... Il faut que les crédits soient inscrits au budget au moment où on lance les travaux.
dans le budget. Je fais des demandes de DETR pour ma commune. Je n'ai pas encore voté mon budget 2023. Mais bien sûr. Tu peux pas voter le budget. T'es obligé d'être dans l'année N-1. Mais tu as voté quand même ton programme. Oui. Projet par projet, tu as une somme qui est inscrite. Oui. Tu ne peux pas mettre le double de la somme que tu as votée en conseil communautaire. Ce n'est pas possible. Ben, il va y avoir des... Mais c'est pas... le budget primitif n'est pas un écueil. Les communes qui demandent du DETR au titre de 2023 qui vont voter leur budget au mois d'avril, ils seraient complètement à côté. Je pense que c'est une prise auprès de l'État, c'est une demande de subvention qui, après, on sait que l'État va demander beaucoup de justificatifs. Surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est commencer des travaux avant d'avoir demandé. Ça, c'est indispensable. Monsieur Buchaya. Oui. Oui, je me réjouis de ces demandes de subventions, mais il me semble que c'est la première année où on a tant de demandes. Alors, ce qui veut dire que est-ce que les autres années, ces demandes ont été réellement réalisées ? L'année dernière, il y en avait déjà pas mal. Hein. Si mes souvenirs sont bons, oui. Je n'ai plus le nombre exact, mais ouais. On avait déjà plusieurs. On les avait mis même sur top, si mes souvenirs sont bons. Le problème, c'est qu'elles étaient demandées en cours d'année. Mais tu sais comme moi que si tu fais une demande de DETR en cours d'année, c'est valable que l'année d'après. Donc, en fait, on ne pouvait jamais lancer les travaux. Ce qu'on a voulu faire cette année, c'est de dire on se donne un minimum. Comme l'année prochaine, on va revenir avec les DM sur le budget investissement. Il ne faut pas qu'on soit bloqué en se disant... on va rester que sur les montants qui ont été mis dans le budget primitif. Donc on fait nos demandes dès maintenant pour être à la première session de mai au niveau de l'attribution des ETR et puis qu'on sache ce qui pourra nous être octroyé. Oui, j'ai très bien compris, mais normalement, dans une commune, à la demande de subvention, on joint la délib. Non, mais les années précédentes, moi, je vous dis, les années précédentes, je n'ai pas vu passer beaucoup de délibes concernant des demandes de subventions. Ils étaient avec les plans de financement sur les différents projets. Donc, il y avait des ETR, il y avait de la région, il y avait du département, etc. Mais c'est vrai qu'on les votait au coup par coup selon les projets. Alors que cette année... J'ai poussé à la roue pour qu'on n'oublie pas la DETR, parce que si on donnait pas tous ces dossiers avant le 31-12, on était de la revue pour l'ensemble de ce qui va suivre. Donc je pense quand même que, vu l'état de nos finances, il faut peut-être qu'on aille chercher quelques subventions. Voilà, l'ingénierie financière, c'est compliqué, d'autant qu'actuellement, on est dans les préparations des cycles de la région, de l'État. Et donc, il faut s'inscrire dans ces cycles 2023-2027 en termes de financement. Donc, c'est assez complexe. Et il faut suivre ça de très, très près. Donc là, on est plutôt dans la prévision de ce qu'on va faire. On va attaquer le premier, Claude Janier. Donc, sollicitation de subvention pour des travaux d'entretien des ouvrages d'art communautaires. Dans le cadre de l'exercice de sa compétence voirie, la communauté d'agglomération a à sa charge l'entretien des ouvrages d'art situés sur son réseau de voirie communautaire. Il s'élève au nombre de 81. Ces ouvrages comprennent 42 ponts, 37 murs de soutènement et 2 canaux. En fonction de l'état de dégradation des ouvrages, ECLA programme, étudie et met en œuvre des travaux de réhabilitation de ces ouvrages. Pour l'année 2023, ECLA envisage la reprise de 2 ouvrages d'art, le pont sur la Sorne à Moiron-Montaigu
est le mur de soutènement sur la commune de Fruy-Bouin. La nature des investissements envisagés concerne les travaux de génie civil tels que la maçonnerie, l'imperméabilisation et la pose d'équipements de sécurité. Le montant de l'opération est évalué à 150 000 euros. Le projet est donc susceptible de bénéficier d'une subvention de l'État, notamment au titre de la DETR, à hauteur de 30 000 euros, correspondant à 20 % du coût des travaux. Dans le tableau que vous voyez, donc 150 000 euros de travaux envisagés, 30 000 euros de subvention attendue et un reste à charge de 120 000 euros. Donc, elle vous est demandé d'approuver l'opération et les modalités de financement, d'approuver le plan de financement prévisionnel, de solliciter une subvention auprès de l'État dans le cadre donc de la DETR ou éventuellement de la SDIL et du FNAT. Et puis, donc, nous nous engageons à prendre en autofinancement la part non couverte par les subventions et d'autoriser le président à signer tout document afférent à cette opération. Les questions, ça avait déjà été évoqué dans le DOB. Donc, sur deux ouvrages d'art, c'est vrai que ce que disait Jean-Philippe Huelin tout à l'heure, les routes et ouvrages d'art, il faut les entretenir. Et je suis le premier soucieux de cet entretien. Et on essaie à chaque fois de mettre le maximum sur ces deux champs-là. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Encore Claude la suite, c'est-à-dire la voirie, c'est toi. Voilà, même type de demande au sujet de la voirie. Donc, Éclat souhaite réaliser des travaux relatifs aux couches de roulement sur les voiries communautaires. Depuis 2003, la communauté d'agglomération assume la compétence optionnelle liée aux voiries revêtues sur l'ensemble de son territoire. Actualisé en 2021 et finalisé en 2022, ce réseau de voiries représente 350 km, compris les voiries des zones d'activité. Pour l'année 2023, Éclat envisage la reprise de 28 tronçons de voiries communautaires répartis sur 16 communes, bien sûr différentes, et la reprise de 3 tronçons de voiries sur des zones d'activité. Les travaux qui seront réalisés portent sur la chaussée, concernant plus précisément des travaux de structure et des travaux de couche de roulement. Le montant de l'opération est évalué à 1 167 000 euros. Donc, les projets sont susceptibles de bénéficier d'une subvention auprès de l'État pour un montant de 233 400 euros, ce qui représente 20 %. Et dans le tableau, donc, vous retrouvez les éclatements de ces sommes et un reste à charge donc, de 933 600 euros. Il vous est demandé, comme dans la délibération précédente, voilà, d'approuver ces opérations, le plan de financement, de solliciter la subvention et de s'engager à prendre en autofinancement le reste à charge et d'autoriser, bien sûr, le président à signer les documents afférents à cette opération. Est-ce que vous avez des questions, des précisions souhaitées sur ce point? Cette année, on a eu de la DETR sur les travaux de voirie, hein, donc à hauteur de 20 %. C'est la première fois qu'on l'a eu. Hein, donc, on continue sur cette lancée-là. Voilà. Qui est contre? Qui ça? Oui. Bah oui, c'est exactement ce qu'on a expliqué. Oui. C'est ça. Mais justement, ce programme-là, il est prévu dans le cadre où nous avons la possibilité d'avoir les subventions attendues, donc de façon à pouvoir réaliser les travaux sans perte de subvention. C'est pour ça que ces délibérations, c'est des délibérations qui concernent les travaux à venir et qu'elles ont ces montants-là. Donc, c'est des montants, je dirais, que l'on envisage pour un fonctionnement normal de l'entretien des voiries. Mais comme dans le budget donc, qui vous a été proposé tout à l'heure, nous sommes restreints, c'est pour ça que nous sommes qu'à 655 000. Mais le souhait, c'est d'arriver à faire pour ce montant de travaux. Mais si nous ne demandions pas la subvention équivalente à ces montants, nous ne pourrions pas donc, y prétendre après. Mais, il faut bien comprendre que En 2023, là, on a voté le budget primitif. En 2023, il y aura des décisions modificatives à faire en permanence en fonction, d'une part,
de la façon dont les dépenses de fonctionnement vont évoluer, parce qu'on ne maîtrise pas complètement, et d'autre part, aux recettes d'investissement qu'on a demandé et qu'on espère obtenir en 2023. Et notamment, c'est ce qui a été dit l'autre fois au DOB sur les compléments pour la Cité des Sports. À ce moment-là, on pourra réaugmenter le budget d'investissement et on prépare avant la demande de subvention correspondante. Après, c'est pas certain qu'on pourra le faire. Et si on ne peut pas le faire, on restera aux montants qui ont été affichés dans le budget qu'on vient de voter tout à l'heure. Je ne sais pas si ça a été clair, mais c'est un peu la façon dont on pile. Oui, c'est sur cette base-là qu'on a regardé comment on pourrait le mieux possible essayer d'investir le plus possible. Ouais. On va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Deux abstentions. Oui, c'est noté, deux abstentions. OK, on continue, on reste avec Claude Janier, mais c'est un autre sujet. C'est dans le cadre des transports. Donc, versement mobilité, exonération de l'association des parents d'enfants inadaptés. Plusieurs demandes d'exonération de versement transport ont été adressées à ECLAS suite à l'instauration du versement mobilité intervenu le 1er janvier 2018. Pour bénéficier de cette exonération, trois critères cumulatifs doivent être remplis. Être une fondation ou une association. Être reconnu d'utilité publique par décret en Conseil d'État. Avoir une activité à caractère social. L'Association des parents d'enfants inadaptés, filiale de l'Union nationale des associations des parents d'enfants inadaptés, remplit ces trois critères. Et donc a été exonéré du versement mobilité à compter du 3 février 2020. De nouveaux établissements ont été rajoutés à la liste initiale et il est demandé au Conseil communautaire de bien vouloir approuver l'exonération de versement mobilité de cette liste élargie aux établissements en faveur de cette association. Donc le Conseil communautaire, après délibération, décide l'exonération du versement mobilité à compter du 3 février 2020, mais celle-là, c'est surtout pour les deux de la fin. Donc, ce sera à partir d'aujourd'hui que ça va se rajouter pour l'Association des parents d'élèves. Donc, vous trouvez toute la liste des établissements concernés. Et la demande donc, complémentaire qui est ici, c'est surtout pour les 398B Avenue Pierre-Mendès France. C'est ces lieux-là qui donc ne rentraient pas dans la liste première parce que c'est des lieux qui ont été recréés récemment. Donc, voici. Et puis, le reste du phrasé en dessous, voilà, le mobilité. Donc, c'est d'autoriser le président à signer tout document à intervenir. Et nous ferons disparaître les écrits, la bénéficiaire du versement et coordonnées de comptable. Ça n'a pas à apparaître dans cette délibération. Merci. Madame Perrin. Oui, allô. Oui, juste pour vous dire que je ne prendrai pas part au vote, je travaille à la PUI. OK, pas d'autres observations. On va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, une non-participation au vote par Anne Perrin. Ensuite, on va passer toujours sur des dossiers ingénierie financière. Là, qui concerne cette fois le PLUI. Donc, je voudrais rappeler que le PLUI, on a donc pris une délibération le 15 novembre pour proposer aux communes que ECLA prenne la compétence PLUI. Donc, on se prépare quand même au cas où cette compétence soit retenue par plus de 80%
de la population et 25% du nombre de communes. Vous connaissez le système de blocage. Voilà, pour on anticipe éventuellement un vote positif et la création de ce PLUI. Donc il y a deux délibérations qui sont présentées sur ce champ-là. Avant, je vais quand même dire qu'aujourd'hui, Monsieur le maire de Montmoreau a fait un écrit par mail à tous les maires de communes. Tout le monde ne l'a peut-être pas encore vu. Je pense que on en parlera lundi soir au bureau exécutif, parce qu'on n'a pas eu la possibilité d'en parler au niveau du bureau exécutif, et que nous vous enverrons aussi une réponse la semaine prochaine sur l'argumentaire qui a été donné par M. le maire de Montmoreau sur cette demande qui a été faite par ICLA de prendre de prise de compétence PLUI. Voilà. Donc là, on n'est pas sur ce champ-là, on est simplement sur la demande de subvention pour réaliser les PLUI, et donc à la fois pour le plan lui-même, pour choisir un bureau d'études, et aussi pour demander une subvention pour une assistance à maîtrise d'ouvrage pour nos propres services. Monsieur Huelin, vous voulez intervenir ? Micro pour Monsieur Huelin. Oui, Monsieur le Président, deux remarques. La première, ça serait vous de nous dire un peu plus de choses. Moi, qui n'ayant pas la chance d'être maire, je n'ai pas reçu ce mail. Or, vous en faites état. Pourrait-on en savoir un petit peu plus, voire éventuellement avoir copie, parce que le sujet est intéressant. Et puis, deuxième chose, j'imagine que vos services font le recensement, vous l'aviez demandé, de l'état du vote des délibérations des différentes communes. Pourrait-on avoir le bilan ce soir alors que nous sommes en cours de période, est-ce qu'il y a déjà des délibérations qui sont arrivées? On l'a voté à Lons, mais j'ignore ce qu'il en est des autres communes. Merci beaucoup. Alors, si M. le maire de Montmoreau est d'accord pour qu'on transfère le mail à l'ensemble des conseillers communautaires, on le fera sans aucune hésitation, premièrement. Et sur le deuxième point, les délibérations qui sont votées, il y en a un certain nombre qui ont été votées. Par contre, il y a le processus d'approbation des délibérations. Et pour l'instant, on n'a pas encore reçu officiellement de délibération, sinon celle de Fribourg qu'il avait prise avant le vote du 17 novembre. Donc, c'était premier. Celle-là, on l'a bien reçue. Bon, sinon, on a eu des informations comme quoi un certain nombre de délibérations positives ont été prises, notamment celle de Lons. On doit être... on fait le compte, le décompte quand on a cette information. Et aujourd'hui, on doit être à 60 et quelques pourcents de positifs et 10% de négatifs. Bon, je vous propose qu'on passe au dossier numéro, donc, au dossier numéro 12. Donc c'est la première demande de subvention PLUI par Hervé Guy. Bien, après cette longue introduction et complète, donc effectivement, la proposition de délibération, donc sans préjuger effectivement du vote des collectivités. La commune de Condamine a voté pour mardi soir. Donc sur l'élaboration du PLUI et du plan de financement, donc ECLA souhaite réaliser donc un projet local d'urbanisme, non pas interurbain, mais intercommunal, donc sur l'agglomération. Donc pour un montant, alors je ne vais pas relire l'intégralité, donc il y aura un bureau d'études qui va travailler effectivement sur le PLUI, si tant est que nous ayons un vote positif. Donc le montant de l'opération est évalué à 540 000 euros hors taxes,
Donc, dans le cadre des demandes de subventions, nous proposons le plan de financement prévisionnel suivant. Donc, en dépense, 540 000 euros. Une demande d'ETR, DECIL ou FNADT, donc de 270 000 euros. Le reste à charge pour ECLA, 50%, donc pour un montant de 270 000 euros. Donc, on vous propose, après délibération, donc, d'approuver les modalités de financement, d'approuver le plan de financement prévisionnel et de solliciter la subvention auprès de l'État, donc dans le cadre des différents dispositifs. Merci, non. Hervé. Monsieur Barbarin. Oui, moi, je considère que c'est un peu rapide de présenter cette délibération, dans la mesure où les communes n'ont pas encore délibéré hein, pour valider la décision d'ECLA. Et je trouve que c'est un petit peu enjambé les conseils municipaux. Et que je considère que c'est un manque de considération des communes que de présenter cette délibération ce soir. Alors, même si c'est des raisons techniques que j'ai très bien comprises. Oui, oui, on est dans le cadre effectivement de l'ingénierie financière et de ce qu'on a présenté tout à l'heure, à savoir que, je l'ai bien dit, on ne préjuge surtout pas de la décision des collectivités, mais si tant est que les collectivités donnent un avis favorable sur effectivement la mise en place du PLUI, il nous faudra être prêts. Donc la demande, elle est essentiellement dans ce sens-là. Sinon, si effectivement, le choix est fait de ne pas retenir le PLUI, on retirera de facto effectivement la demande. Elle tombera d'elle-même. S'il n'y a pas de PLUI, la demande tombe d'elle-même, hein, puisque de toute façon, Villeneuve. On ne pourra pas continuer sur cette base-là. Il y a une question de Villeneuve. Ah, Villeneuve-Soupimont. Oui, Monsieur le Président, je rejoins Monsieur le maire de Montmoreau. Je pense que cette délibération, elle est mal rédigée. Hervé, par ses fonctions professionnelles, je pense, fait la différence entre le futur et le conditionnel. C'est un rapport qui devrait être rédigé au conditionnel. Et d'une façon générale, je remarque que systématiquement, les propositions qui sont présentées aujourd'hui, mais c'est habituel, portent toujours une espèce de préaccord bizarre. Le Conseil communautaire, après délibération, approuve. Est-ce qu'on ne pourrait pas introduire une petite nuance disant que le Conseil communautaire propose d'approuver, etc., etc. Et ceci pour tous les éléments, toutes les délibérations, tous les conseils, tous les points de l'ordre du jour ont toujours cette affirmation que le Conseil va être d'accord. Le Conseil, il est peut-être d'accord, mais il est des fois peut-être pas d'accord. Et en tout cas, je trouve que c'est maladroit de présenter ça comme si nous étions a priori d'accord avec les propositions de la gouvernance. Alors, pour la suivante, je proposerai d'approuver. Après, on est dans la sémantique. Merci, hein, là. Enfin, moi, je participe à beaucoup de conseils d'administration actuellement. Là, et je peux vous dire que dans certains, c'est beaucoup plus rapide encore. C'est le conseil. Il y a un vote. Et à la sortie du vote, c'est approuvé ou pas approuvé. Quoi. Donc, c'est vrai que après, on pourrait effectivement discuter un peu de la sémantique. Mais bon, je pense qu'il faut aussi être efficace et que la délibération, quand elle arrive dans les services, elle dit, voilà, le conseil communautaire a approuvé. S'il n'a pas approuvé, la délibération, elle tombe d'elle-même. Hein, donc, voilà. Monsieur Moreau. Non, pour l'instant, on n'a encore pas... Je vais répéter la question parce que les internautes n'entendent pas quand il n'y a pas de micro. Donc la question de M. Moreau, c'est de savoir s'il y a un devis qui permet de dire quel est le montant des bureaux d'études.
Donc pour l'instant, on a, le marché n'est pas lancé. C'est simplement, effectivement, sur la base de connaissances qu'on a. Moi, j'avais d'ailleurs demandé à ce qu'on mette plutôt 560 000. Donc on a laissé 540 000. Bon, voilà, 20 000 près, on fera une DM. Mais effectivement, on s'est renseigné auprès de cabinets ou de bureaux d'études pour avoir à peu près le montant. Après, on s'est estimé ce type de choses. Hein. C'est assez c'est assez commun. On ne va pas relancer les débats sur le PLUI, mais c'est quelque chose qu'on maîtrise bien, le montant de ce type de projet. Je vais mettre au vote qui est contre. Donc, Momoro 2 voix contre. Qui s'abstient. Merci. On a presque la même chose, mais là, c'est sur l'assistance à maître d'ouvrage. Dossier donc, suivant, donc, Hervé. L'étude de préfiguration pour, effectivement, le plan de sollicitation pour le mandatement donc, d'un AMO, assistant à maître d'ouvrage, pour la réalisation de l'étude de préfiguration. Donc, le coût est estimé à 15 000 euros. La prestation, là aussi, est susceptible de bénéficier de subventions donc, dans le même cadre. Donc, on vous propose une dépense de 15 000 euros pour une demande de subvention de 50% pour un montant de 7 500 euros, toujours dans le cadre des dispositifs. Donc, on vous propose, après délibération, on vous propose d'approuver l'opération et les modalités de financement. On vous propose d'approuver le plan de financement prévisionnel et on vous propose de solliciter une subvention auprès de l'État. Merci Jean-Paul. Merci Hervé. Jean-Yves Ravier qui veut prendre la parole. Oui, c'est le même sujet que là, juste avant. Je voulais juste répondre à André Barbarin qui s'étonnait qu'on fasse des demandes en avance pour faire des demandes de subvention et que ça pouvait peut-être influencer. Moi, j'étais aussi, je pourrais lui dire que j'étais surpris de la lettre qu'il envoyait à tous les maires de l'agglo pour dire que Montmoreau votait contre, comme s'il faisait campagne contre le PLUI. Nous, à Lons, on a voté pour. C'est pas pour autant que j'ai écrit à tous les maires pour les influencer. Je pense que les conseils municipaux sont assez grands pour prendre leurs décisions en âme et conscience. Et je suis fort surpris et étonné aussi de sa démarche. Je reviendrai plus tard sur un autre conseil communautaire, sur le contenu aussi de la lettre, puisque j'ai remarqué aussi que la ville de Lons était une fois de plus mise en cause. Simplement, je pourrais rappeler que André Barbarin était bien content que la ville de Lons rachète l'EHPAD de la Châtelaine, par exemple, et que ça lui a enlevé une belle épine du pied. On va pas relancer le débat autour. En tout cas, on en parlera lundi soir au bureau exécutif et on aura des éléments de réponse qui vous seront envoyés suivant le même mode de fonctionnement et qu'on enverra aussi au conseil communautaire pour qu'ils aient cette information. Qui est contre cette délibération ? André ? Oh. Ouais. Ouais, c'est cohérent quand même. Ouais. Donc deux contre, qui s'abstient ? Merci. Et on a encore un troisième dossier pour Hervé Guy. Je précise que ce dossier donc, qui touche le contrat de réussite éducative, c'est un transfert entre, par le CCAS à ECLA d'une compétence qui est liée à la politique de la ville, mais que ce transfert ne sera réalisé qu'avec des délibérations concordantes entre ECLA et le CCAS. Et je précise que le CCAS n'a pas encore pris la délibération correspondante et concordante. Donc c'est une première étape, une proposition par ECLA, mais qui va dépendre aussi du choix du CCAS. Hervé ? Bien.
L'objet, c'est le transfert par le CCAS à Eclin de la compétence du contrat de réussite éducative. Le contrat de réussite éducative faisant partie intégrante de la politique de la ville qui est portée par l'agglomération. Donc le contrat de ville de la communauté d'agglomération d'Eclin couvrant la période 2015-2023 a été adopté le 28 septembre 2015 par le conseil communautaire. Au 1er janvier 2013, ce contrat de ville était devenu de compétence de la communauté d'agglomération Eclin. Donc, dans le cadre et dans un souci de cohérence, le programme de réussite éducative qui fait partie intégrante du contrat de ville peut être dorénavant rattaché juridiquement à Eclin. Le contrat de réussite éducative est financé entièrement chaque année par l'appel à projet du contrat de politique de la ville de l'année en cours. Ce financement, charge de personnel et charge des actions en direction des enfants, est assuré à 60% par le ministère de la ville et à 40% par Eclin via la ville de Lons-Saunier, puisque c'est quand même la ville de Lons-Saunier qui abonde effectivement pour les financements. Pour mémoire, les objectifs du CRE visent à mettre en place des approches pédagogiques alternatives et complémentaires qui luttent contre le décrochage scolaire pour les enfants et les adolescents en grande difficulté du quartier prioritaire de la ville, donc le QPV d'Eclin, à savoir Marjorie Mouillère. Ce dispositif accompagne individuellement les bénéficiaires sur le plan social, culturel et sanitaire afin d'aider les familles dans leur rôle éducatif. Le dispositif s'adresse à des élèves, mais restitue les difficultés dans un contexte global qui tient compte des difficultés familiales ou environnementales de l'enfant. Voilà. Donc, je rappelle, sur le contrat de réussite éducative, donc, aujourd'hui, nous avons... effectivement, Philippe Bézière, qui est le directeur de projet. Et nous avons Julie Roset, qui est animatrice, effectivement, sur le CRE. On est en recherche d'une deuxième personne pour pouvoir prendre en charge un maximum de familles, parce qu'il y a une énorme demande de la part des enseignants et sur le QPV. Donc aujourd'hui, Julie prend en charge à peu près 40 familles, 40 enfants et 40 familles. Donc la deuxième personne qui est en cours de recrutement, nous permettrait de monter l'intervention sur à peu près 80 familles, ce qui serait quand même relativement intéressant. Donc quand je dis en cours de recrutement, c'est-à-dire qu'on a une personne intéressée, on doit, parce que c'est un travail de partenariat avec, effectivement nous sommes trois à travailler sur le dossier, hein, c'est un travail de partenariat, donc avec Thierry, vice-président du CCAS, et Nicole Parézo, donc qui représente la ville de Lons-Saunier. Donc on aura à travailler sur ce recrutement qui pourrait se faire pour augmenter nos capacités. Voilà, le Merci. Conseil communautaire, après délibération, on vous propose d'accepter le transfert de la compétence du CRE, contrat de réussite éducative, du CCAS à Eclin. Ce qui va permettre aussi de clarifier un peu les positions des différents personnels, parce que jusqu'à présent, on avait des personnels qui étaient ville Eclin, certains étaient ville CCAS, sans être Eclin. Ben, y a Julie qui est sur Eclin. Donc, on avait plusieurs statuts, donc on va là aussi rationaliser, opérationnaliser un peu tout ça. Voilà, président. Demande. Je rappelle, de la Chambre régionale des comptes. Donc, c'est dépendant aussi de la délibération concordante, je rappelle, du CCAS qui n'est pas prise. Des questions ? Non, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Et c'est Jean-Yves Bailly qui va reprendre le relais parce qu'il y a cette fois, pas mal de délibérations sur l'eau, et puis il y aura aussi Philippe Fourneau pour l'assainissement. Donc Jean-Yves Bailly, président de la Régie Eau. Donc au niveau des tarifs eau 2023, dans le Conseil communautaire, on en a déjà évoqué lors de la présentation du budget. Le Conseil communautaire donc, avait acté le 17 décembre 2020 le principe d'une convergence de tarifs. D'une part, pour faire face aux investissements à venir et puis de réduire sur les 8 années à venir les disparités entre les tarifs pratiqués sur le territoire. Donc, il y a un tarif cible qui a été déterminé. Le rapport sur les orientations budgétaires, donc vous l'avez, les chiffres, je ne vais pas les reprendre. Le rapport sur les orientations budgétaires en 2023 conclut sur la nécessité de maintenir cette dynamique de convergence, scénario qui a été retenu pour bâtir le budget.
Les recettes 2023 estimées avec le maintien de la dynamique de convergence permettent d'équilibrer les dépenses de fonctionnement et de financer l'investissement à hauteur de 1 400 000 euros en dehors de l'équipement du bâtiment technique de Montmoreau. Donc ensuite, vous avez le tableau d'évolution des tarifs. Vous avez la convergence pour 40 mètres cubes de consommation et la convergence pour 120 mètres cubes. Par ailleurs, la régie de l'eau peut être amenée à facturer des prestations annexes aux usagers, par exemple des branchements neufs, des déplacements de compteurs et des relèves ponctuelles de compteurs. Et puis, il y a également au niveau des communes en charge de la défense extérieure de la lutte contre l'incendie. Donc, vous avez eu en pièces annexes les différents tarifs. Donc, le conseil d'exploitation a délibéré là-dessus. Donc, nous vous sollicitons pour délibérer sur les tarifs présentés pour la convergence tarifaire. Et qui sont conformes à ce qui a été dit tout à l'heure dans le budget annexe O. Question ? Non, on est cohérent hein, par rapport à tout à l'heure. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. On continue sur Villevieux, là, cette fois. Les donc, nous avions, vous savez que nous avons fait une étude par rapport à la problématique de la quantité de l'eau. Et puis, donc, nous sommes en phase de finalisation par rapport à cette étude. On pourra la présenter de manière plus globale dans quelques temps. Donc, à l'issue de ces études, la régie eau souhaite réaliser des travaux d'installation d'une pompe de forage à Villevieux afin de sécuriser l'exploitation de la ressource d'eau potable. Plus spécialement, ce dispositif permettra à terme, donc, d'une part, de faire face à un éventuel dysfonctionnement des siphons, les prises d'air, les cases d'une canalisation du champ captant ou une panne de pompe, et de pouvoir atteindre ponctuellement un débit d'exploitation instantané plus important pour des raisons d'interconnexion, par exemple, en termes de solidarité avec d'autres territoires, en cumulant les débits issus du pompage et des siphons. Donc après, on décline les investissements qui doivent être envisagés. Le montant de l'opération, elle est évaluée à 209 000 euros hors taxes. Donc c'est une opération qui est susceptible de bénéficier donc, de subventions DETR. Donc vous avez le plan en dessous des travaux, 209 000 euros, et on solliciterait l'État à hauteur de 30% et une reste à charge au niveau de la régie Éclat, 70%. Un projet très technique hein, qui est important pour garder la capacité à assurer le ravitaillement en eau de notre territoire. On est en train d'optimiser en fait les dispositifs que nous avons actuellement sur ce champ captant. On n'est pas en train de rechercher une autre ressource d'eau. On améliore notre dispositif. Les questions, ça a été traité aussi au niveau de la régie. Bien évidemment. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Je pense que c'est un beau projet important. Donc le point suivant, c'est le renouvellement des conduites de distribution en fonte sur la rue Abbé Lemire et la rue des Jonquilles à Lons-Saunier. Donc la régie souhaite réaliser des travaux de renouvellement du secteur sur ces deux rues. Ce sont des rues qui sont desservies par l'unité de distribution de Villevieux. Donc pour réduire les pertes en eau de ce secteur, il a été choisi de placer ce secteur en renouvellement. Donc objectif, c'est la réduction des pertes en eau. Donc sur un volume de 3467 mètres cubes par an. Également avoir un gain énergétique lié au pompage et une baisse des prélèvements de la ressource en eau. Effectivement, s'il y a moins de fuites, on consommera moins d'eau. Donc c'est pour 670 mètres linéaires et on reprendra 30 branchements de particuliers et puis des bâtiments collectifs. Donc le montant de l'opération est évalué à 229 548 euros hors taxe. Pareil, donc demande de subvention à hauteur de 30% auprès de l'État,
donc pour un montant de 55 370 euros, et puis un reste à charge éclat à 129 196,70 euros. Les conduites de distribution, c'est un vrai sujet parce que commence à être pour certaines qui ont été mises en place après la guerre un vrai problème et qu'il faudra changer rapidement. C'est encore de l'investissement à prévoir, même si on est déjà pas mal organisé dans notre territoire. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et on continue cette fois sur donc la régie d'exploitation. Donc pour la régie eau, donc nous avons eu la démission de Alain Poisson. Il convient donc de le remplacer, de désigner un nouveau délégué communautaire. On peut appeler. Donc proposition, l'avis est fait de proposition. Jean-Yves Lanneau, est-ce que tu serais favorable? Il a dit oui. Donc, on vous propose de désigner M. Lanneau pour siéger au sein du conseil d'exploitation de la régie eau. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, M. Lanneau prend vos propres votes. Merci, Jean-Yves. Philippe, c'est Philippe cette fois? C'est pas Jean-Yves. Hein? C'est Philippe Fourneau, c'est pas Jean-Yves Fourneau. Oui, donc Philippe Fourneau, président de la régie d'assainissement. Ce soir, nous devons voter les tarifs assainissants pour l'exercice 2023. Je sais que tous, vous avez reçu les documents, vous avez pu les consulter. Vu que l'heure avançant, je vous propose plutôt de commenter au lieu de lire les différents tarifs. Si on reprend la page des tarifs, la redevance assainissement pour les communes déclarées en assainissement collectif sera avec une augmentation de 5%, passera de 1,501 à 1,576, sachant que c'est des prix nets, hein, donc nous ne toucherons pas la TVA. Pour l'APFAC, c'est la participation financière à l'assainissement collectif. On ne la touche pas puisque les usagers domestiques, c'est au mètre carré de surface de plancher, reste à 18,40. Et les assimilés domestiques, donc c'est en équivalent habitants, c'est les commerces, etc., seront à 255 euros. Le dépotage en station d'épuration par tonne, les boues graisseuses de station d'épuration à la tonne restent à 60 euros. Les traitements des sables de curage des réseaux reste à 26,30 euros. Les matières de vidange, donc les communes de d'Écla, ont une augmentation de 5%, donc passent à 8,30. Et les matières des vidanges des autres communes passent de 15,90 à 20,70 avec une augmentation de 30%. Pourquoi cette augmentation? On a fait un petit sondage dans les autres centres, Champagnole-Nozeroy, la Glotte-Bourg-en-Bresse, le Mâconnais-Beaujolais. On s'est aperçu qu'ils étaient tous supérieurs à nous et que nos vidangeurs ne jouaient pas tout le temps le jeu. C'est-à-dire que nous, on avait permis à l'agglomération d'avoir des tarifs préférentiels et ces tarifs préférentiels, ils les appliquaient à tout le monde. C'est-à-dire que quand ils venaient vidanger, pas obligatoirement, ils marquaient commune, je vais dire n'importe quoi, de Balano ou de Blétrand. Mais ils marquaient commune de Frébuan ou de Messia. Donc, ils avaient un tarif préférentiel. Donc, maintenant, on va redemander un bordereau. Et en plus, on était toujours quand même moins cher, même si on appliquait l'ancien tarif. C'est pour ça qu'on a augmenté de 15,90. Maintenant, nous passons à 20,70 pour être vers les autres communes, comme les autres communautés de communes ou communautés d'agglo qui sont autour de nous. C'est un petit peu pour ça l'augmentation de 30%. Donc les lixivia vont avoir 5% d'augmentation, vont passer à 13,30. Et les boues d'épuration liquide vont prendre 62%, elles vont passer à 30 euros. Parce que les boues d'épuration liquide, on a beaucoup de charges polluantes et c'est vraiment une gestion d'injection qui est longue et qui est difficile dès qu'on a des volumes importants. Donc c'est une opération qui est coûteuse pour les steppes.
En assainissement non collectif, donc les contrôles de conception d'exécution, 5%. On a mis tout le monde 5%, sauf l'entretien. Donc les 5% pour le contrôle à 164 euros, la conception à 92 euros, l'exécution à 72 euros, les contrôles de bon fonctionnement et d'entretien. Donc ça, c'est par an, c'est à 36 euros. Le contrôle de bon fonctionnement en cas de vente, et c'est un forfait à 87 euros. Et on est une des rares agglomérations à avoir demandé un contrôle de bon fonctionnement en cas de vente. Ça sécurise quand même l'acheteur et aussi ça sécurise l'agglomération, puisqu'on a une investigation au moment de la vente. On sait si le bâtiment ou la maison est conforme par rapport à l'assainissement. Donc ensuite, nous avons les contrôles de raccordement. Donc la réalisation du contrôle de raccordement, c'est un forfait. On s'est aperçu que par rapport aux autres, notre pôle administratif trouvait que c'était une charge qui était assez lourde. Et on s'est aperçu qu'on était largement en dessous des autres, comme d'Aglo ou communauté de communes, qui exerçaient la même compétence. Donc on propose 36 euros d'augmentation et on passera de 73,40 à 100 euros. Donc ensuite, vous avez les parts fixes. Alors ça, tout ce que je vous dis là, les redevances spécifiques pour effluents non domestiques, c'est nos industriels. Donc la part fixe par tonne de DCO, donc toujours 5%. Le coefficient par le volume, c'est toujours 5%. Et les coefficients par la pollution, c'est toujours 244%. Nous avons aussi le bordereau de prix pour les prix unitaires pour facturer. Donc, je vous fais grâce quand même de la lecture du bordereau. C'est les prix unitaires pour les prestations annexes. Donc, on est obligé de l'avoir dès qu'on réalise des facturations pour les usagers. C'est principalement sur les branchements privés. Voilà un petit peu l'ensemble de nos tarifs. Donc, ce soir, c'est d'approuver ou pas les tarifs d'assainissement pour l'exercice 2023, avec prise d'effet au 1er janvier 2023, tel que présenté. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Donc ça a été aussi débattu à Régie Assainissement. Hein. Clairement, c'est assez technique quand même, mais c'est important. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et on passe à... Tribuant, mise en séparatif. Alors, pareil, c'est pour une demande de subvention. Donc, c'est les travaux sur la mise en séparatif à Frébuant, rue des Vignettes et rue des Condamines, et la sollicitation des subventions. Donc, le montant des travaux, c'est pour 123 893,65. Donc, on sollicite l'État à un niveau de 30% pour 37 168,10. Le conseil départemental pour 24 778,73. L'AERMC pour 37 168,10. Donc le reste à charge à la régie sera de 24 778,73. Donc c'est d'approuver les opérations et les modalités du financement, d'approuver le plan de financement prévisionnel et de solliciter les subventions auprès de l'État au titre de la TDRTR, ZIL ou FNRT. Du conseil départemental et de l'agence de l'eau, de s'engager à prendre en autofinancement la part non couverte par les subventions et d'autoriser Monsieur le Président à signer tout document afférent à cette opération. Donc AERMC, c'est l'agence de l'eau. Rhône Méditerranée, Corse. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Cette fois, c'est Panthière. Donc, c'est l'assainissement et la mise en séparatif du chemin des Mouilles de la gare de Pansière. Donc, c'est pareil, c'est la même sollicitation d'autofinancement. Donc, le montant de dépenses hors taxes s'élève à 153 000 euros. On demande 30% à l'État, à 45 899,85. Au conseil départemental pour 20 364,40. À l'agence de l'eau pour 56 135,75. Donc le reste à charge à la régie est de 30 600 euros, pour un total donc de 153 000 euros. Donc même punition, d'approuver l'opération et les modalités de financement, d'approuver le plan de financement prévisionnel, de solliciter une subvention auprès de l'État au titre de la DETR, du ZIL ou de la FNAT, du conseil départemental et de l'agence de l'eau, de s'engager à prendre
en autofinancement l'apport non couverte par les subventions, d'autoriser M. le Président à signer tout document afférent à cette opération. Ces opérations qu'on vient de voir ont été inscrites dans le budget régie 2023. Merci Philippe. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Et dernier point, je pense. Oui. Suite à la démission de M. Alain Porson, il convient de désigner un nouveau délégué pour siéger au conseil d'exploitation de la régie d'assainissement. Qui se propose ? Non, il y a déjà Jean-Yves. Yves Lano ne peut pas, il y a déjà. Donc, est-ce qu'il y a un autre volontaire ? Pour venir à la régie d'assainissement. Vu que c'était quelqu'un de Lons-le-Saunier, ça serait logique que ça soit quelqu'un de Lons-le-Saunier qui vienne. Donc, la porte est ouverte. Hein. Mmh. Il n'y a pas de volontaire à Lons-le-Saunier. Je ne vais pas me porter volontaire quand même. Thierry Gaffio ? Tu es déjà à l'eau Mais tu peux venir à l'assainissement. Tu peux être aussi à l'assainissement. C'est cohérent. Mais bon, après, je veux pas accumuler. Hein. C'est cohérent. Non. Monsieur Thierry Gaffio, je suis très content que vous veniez à l'assainissement. On vous voit déjà à l'eau, on vous verra aussi à l'assainissement. Donc, on propose la délibération qui désignerait Monsieur Gaffio pour siéger au sein du conseil d'exploitation de la régie d'assainissement. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc je suppose participe pas au vote. Ok. C'est Antoine Jaillet qui prend le relais pour deux délibes. Donc c'est des demandes de subventions. Et une troisième pour les subventions sportives 2023. Bonsoir. Antoine. Bonsoir. Effectivement, dans la lignée des plans de financement et des sollicitations de subventions. Le dossier 24, c'est donc pour des travaux de rénovation énergétique du GES, du Grand Espace Sportif rue Robert Schumann à Lons. Donc, on a fait des audits énergétiques sur l'année 2022. Pour l'instant, on a reçu ceux du GES COSEC. On est en train de recevoir ceux des salles Omnisports et de la salle Tienne. L'idée, c'est de répondre à l'augmentation des dépenses énergétiques et aux prérogatives du décret tertiaire. Donc, le décret tertiaire prévoit que d'ici 2050, on doit diminuer de minimum 60% la consommation énergétique. Et par rapport à notre consommation énergétique, je précise que le coût de l'électricité devrait être multiplié par 3 en 2023 par rapport à 2022. Donc, les travaux qu'on vous propose, qui concernent uniquement le GES, hein, qui est accolé au COSEC, ça permettrait d'atteindre 47% d'économie d'énergie. Et 66% lorsqu'on aurait des travaux ensuite pour la rénovation énergétique du COSEC. Alors concrètement, ça concerne la réfection des équipements en chaufferie et en calorifugage, l'installation de robinets thermostatiques sur les radiateurs hydrauliques, le remplacement des aérothermes à eau chaude, l'installation d'une GTC avec sous-comptage, le remplacement de l'éclairage par des équipements LED, la reprise de l'isolation des murs et des faux plafonds, la réfection et l'isolation des toitures, le remplacement des menuiseries extérieures et l'installation d'une CTA double flux. Donc l'opération, son montant global, c'est 1 022 475 euros hors taxe et on pourrait avoir une subvention de la part de l'État au titre de la DETR, de la DECIL ou de la FNADT à hauteur de 306 742,50 euros hors taxe, soit 30% du coût total du projet. Donc, ce qu'on vous soumet ce soir, c'est d'approuver l'opération et les modalités de financement, d'approuver le plan de financement prévisionnel, de solliciter une subvention auprès de l'État au titre de la DETR, DECIL ou FNADT et à s'engager à prendre en autofinancement la part non couverte par les subventions et donc à autoriser le président à signer tout document afférent à cette opération. Ah, c'est une demande de subvention. Je précise également que sur ces champs-là, où il y a plusieurs, c'est souvent des opérations qui sont éligibles à d'autres plans de financement.
Et que quand on dit reste à charge 715 732 pour Éclat, on va le présenter à d'autres plans de financement. Mais ces autres plans de financement, aujourd'hui, on ne peut pas les acter parce qu'ils sont encore en cours de discussion, notamment à une, des financements qui sont affectés, qui seront affectés à partir de 2023 au PETR du pays lédonien et qu'il va falloir se répartir entre les quatre EPCI. Donc c'est une discussion qui est en cours et qui sera validée par le conseil syndical du pays, où on est plusieurs à participer, début 2023. Hein, parce que tout ça devrait être calé avant avril. Voilà, donc là, on est sur, on demande l'état des ETR, des SIL, FNADT, mais il y aura d'autres compléments de financement sur un sujet qui est quand même la rénovation énergétique très, très important. Il y a d'autres financements qui sont en vue sur ces champs-là. C'est le fameux fonds vert, vous avez déjà entendu parler. Par contre, on n'a encore pas suffisamment d'éléments. Mais je pense qu'on aura à retravailler aussi sur ces champs-là, sachant quand même que le reste à charge minimum pour les collectivités reste bien à 20%. Hein. Voilà. Donc, monsieur Buchaya. Oui, oui, je vois que ces travaux de 1 230 000, sur le budget, on les retrouve où ? C'est la même question que tout à l'heure. Hein. C'est la même question que tout à l'heure. On a eu 145 000 sur le budget. Ouais. Et puis le reste, on le prévoit en termes de décision modificative. On a de bons espoirs de pouvoir, parce que c'est un champ important. On a 4 ans pour le faire, hein, faut rappeler non, quand même. Je suis bien d'accord qu'on a 4 ans, mais c'est pas cohérent avec ce qu'on a vu pour le PLUI, par exemple. Le PLUI, on budgète 540 000. Monsieur le vice-président nous dit, bon, moi j'aurais mis 600 000, 570 000. Oui, 570 000. Donc, la demande de DETR pour le PLUI aurait été de 570 000, ce qui sera vraisemblablement plus proche de la vérité. Donc, on aurait gagné 15 000 euros de subventions supplémentaires. Donc là, on met 540 000, 50%, 270 000. La facture sera de 580 000. On aura perdu 15% de DETR. Et puis... là, je veux bien qu'on demande de la DETR, de la TR, mais l'enveloppe n'est pas extensible. Donc, c'est quand même aussi au détriment de nous, les communes. Parce que l'État pour l'année 2023, a un budget DETR. Supposons que ce projet soit accepté, hein, et qu'il sera certainement pas réalisé en 2023. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura une somme de mobiliser, et cette somme, les communes ne pourront pas en profiter. Alors, deux réponses à ça, hein, c'est assez simple. Au niveau de l'État, on a des discussions permanentes avec l'État. On nous a dit, quand vous avez des sujets au niveau énergétique, posez-le en DETR, SIL, FNADT. Si on a d'autres ressources qui arrivent, et c'est le fonds vert, par exemple, eh ben, on les redispatchera, vous n'aurez pas besoin de redemander. C'est dans cet esprit-là qu'on est intervenu et que vous avez beaucoup de délibes ce soir pour prendre date pour des plans de financement. Voilà, c'est ça l'enjeu. Alors, après, moi, je conçois, hein, l'ingénierie financière, c'est hyper complexe. J'avais même proposé qu'on en fasse un projet... d'intelligence artificielle, tellement c'est compliqué. Donc, on est très attentif à tout ça et on suit ça de très, très près, je peux vous garantir. Et on est en relation permanente avec les financeurs.
et notamment avec l'État qui nous donne ces conseils-là, d'ailleurs, d'inscrire dans le cycle DETR, DSIL, FNADT, sinon, à un moment donné, peut-être qu'ils nous diront, partez sur le fond, on vous envoie ce dossier-là, on l'envoie sur le fond vert. Voilà. J'ai pas vu, excusez-moi, Jean-Paul Thomas. Oui, j'avais juste une remarque. Moi, ça me laisse un peu rêveur, ces chiffres. Hein. 47% d'économie d'énergie dans un premier temps, 66% dans un deuxième temps. Bravo. Les cabinets d'études, ils reculent devant rien, eux. Hein. Par contre, je voudrais bien demander à Antoine Jaillet de s'engager dans un an, deux ans, trois ans, à ce qu'il nous fasse un bilan précis des économies qui auront, là vous voyez, j'utilise le conditionnel moi, qui auront été réalisées, parce que sincèrement, si vous faites 56% d'économies sur les charges de chauffage du COSEC, ben écoutez, moi je m'engage à payer un verre à toute l'Assemblée. Ah ben on l'a bien entendu. On fera le bilan. Non mais juste un mot. Alors moi je suis pas technicien, je suis pas spécialiste, hein, je suis pas membre d'un cabinet d'audit et j'ai tendance peut-être naïvement à penser que lorsqu'on a des techniciens qui font ce type d'études, on leur fait confiance et j'espère que ces chiffres sont réels. Donc nous verrons bien si c'est le cas. Je m'engage à effectivement transmettre les chiffres d'économie d'énergie. Dans deux ans, dans trois ans, mais même quand vous voulez, on peut le faire et revenir sur les chiffres de baisse de consommation d'énergie sur ce qui a été fait non seulement depuis le début du mandat, mais également avant, puisque c'est un travail qui date de quelques années. On a un nouveau spécialiste du domaine énergétique dans notre conseil communautaire avec Guillaume Barthes. Peut-être qu'un jour, il pourra nous donner des précisions par rapport à ce qui vient d'être dit. En tout cas, on a bien entendu la promesse de M. Thomas. Par contre, Jean-Paul, petite boutade, de par mes fonctions, si tu veux, je te donnerai quelques cours de conjugaison sur la différence future simple et conditionnelle. Bon, on va terminer le conseil communautaire. Qui est contre ? J'ai une question. Ah, pardon, excuse-moi, j'avais pas vu. Céline Trossat-Montmoreau. Pourquoi on n'en profite pas pour demander des subventions à la région ou au département sur ce genre de... Ben on c'est pas qu'on n'en profite pas. On fait, parce que le 31 décembre, la DETR doit être déposée. On fera bien sûr des... On fait plusieurs délibérations pour la même chose. Bien sûr, on fera d'autres délibérations. Et je redis que cette délibération, elle peut partir sur d'autres financements de l'État, sur les thématiques. Après, si c'est la région, ça sera une autre délibération. Si c'est le département, ça sera une autre délibération. Complémentaire, puisqu'on rappellera le financement. Après, vous savez qu'au niveau de la DETR, les collectivités ont eu consigne de redéposer les dossiers qui avaient été refusés en 2022 sur 2023. Ben, ceux qui n'ont pas été retenus. Oui, donc, oui tout à fait. Ouais. Et ce qu'a dit Jean-Paul, oui. Tout à l'heure, effectivement, le DETR, c'est un montant qui se répartit sur le territoire. Et vous pouvez me faire confiance, si on peut partir sur un autre champ que la DETR, on ne va pas s'en priver. Hein. Voilà. Qui est contre, qui s'abstient. Merci. Antoine, encore une délib dans le même genre. Oui, dans le même état d'esprit, dossier 25, plan de financement et sollicitation de subventions. Alors là, ça ne concerne pas uniquement le sport. Ce sont des travaux d'accessibilité des bâtiments, avec un S, dojo, salle des crochères, stade Amprelle, boulodrome et puis la crèche Victor Hugo. Donc des travaux de mise en accessibilité du patrimoine avec donc plusieurs équipements pour l'année 2023, un montant évalué à 92 600 euros hors taxes
et un projet qui est susceptible de bénéficier d'une subvention de l'État au titre de la DETR, de la DECIL ou de la FNADT à hauteur de 27 780 euros, qui correspond à 30% du coût du projet. Donc on vous demande, après délibération, d'approuver l'opération et les modalités de financement, d'approuver le plan de financement prévisionnel, de solliciter une subvention auprès de l'État au titre de la DETR, DECIL ou FNADT, de s'engager à prendre en autofinancement la part non couverte par les subventions et à autoriser Monsieur le Président à signer tout document afférent à cette opération. Ok, c'est même, toujours le même... Sauf que là, on est sur un autre champ, c'est l'accessibilité des bâtiments, mais c'est aussi finançable par l'État. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Antoine, troisième, c'est subvention sportive annuelle. Oui, sujet différent. Donc, les subventions sportives 2023. Donc, vous avez en pièce jointe la répartition de ces subventions. Donc, ces subventions, elles sont calculées par l'Office intercommunal des sports, qui a fait des propositions de subventions de fonctionnement sur la base des effectifs, c'est-à-dire le nombre de licenciés, le nombre de jeunes, et les déplacements des clubs en compétition sur l'année sportive précédente, c'est-à-dire sur la saison 2021-2022. Donc on propose aussi des aides aux clubs concernés par l'emploi sportif de type encadrement, entraînement administratif, et puis des aides financières pour le soutien à la pratique sportive handisport ou sport adapté. Donc, une subvention d'équipement est également proposée pour l'achat d'un minibus. Donc, la règle, c'est 10% du total du coût du minibus. Et donc, c'est plafonné à 2500 euros. Donc, au total, le montant des subventions 2023 pour les associations sportives s'élève à 151 455 euros pour les subventions de fonctionnement et 2500 euros pour les subventions d'équipement. Donc on vous demande, après délibération, d'attribuer au titre de l'exercice 2023 ces subventions de fonctionnement et d'équipement. Et sachant que les crédits sont inscrits au budget primitif 2023, chapitre 65, autres charges de gestion courante, et chapitre 204, subventions d'équipement. C'est un travail qui a été fait, par, comme chaque année, par l'OIS. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Dernier dossier, des amiantages du hall du conservatoire suite à des démontages. Oui. Donc, bonsoir, c'est Sylvie Lagarde, vice-présidente chargée de la culture. Donc, la délibération concerne les travaux de désamiantage du hall du conservatoire rendu nécessaire dans le cadre de l'aménagement de l'accueil. Cet aménagement consiste en un déplacement de l'entrée afin de permettre un véritable accueil inexistant aujourd'hui avec une présence de personnel administratif. Ce modeste aménagement ne prétend pas résoudre la problématique des bâtiments du conservatoire, mais devrait rendre l'entrée un peu plus attrayante et permettre une redistribution des locaux et l'agencement d'un accueil plus confortable pour les familles et les élèves, voire même d'un foyer sollicité par ces derniers. Donc, le montant de l'opération est évalué à 42 000 euros hors taxes. Le projet est susceptible de bénéficier d'une subvention de l'État au titre de la DETR ou DECIL ou FNADT à hauteur de 12 500 euros, correspondant à 30% du coût du projet. Donc, on vous demande d'approuver le plan de financement prévisionnel suivant et de solliciter l'État. Donc, travaux 42 000 euros hors taxes, recettes État 12 500 euros, reste à charger que la 29 500 euros. Donc, on vous demande d'approuver l'opération et ses modalités de financement, d'approuver le plan de financement prévisionnel, de solliciter une subvention auprès de l'État au titre de la DETR, DSIL ou FNADT, de s'engager à prendre en autofinancement la part non couverte par les subventions et d'autoriser Monsieur le Président à signer tout document afférent à cette opération. Merci Sylvie. Monsieur Huelin. Je ne voudrais pas me répéter, mais je l'ai déjà évoqué tout à l'heure. Il me semble que cette dépense est parfaitement inutile. Or, vous savez à quel point je défends la culture et je l'ai défendue. Mais là, franchement, c'est une dépense qui me semble complètement vraiment inutile. Il n'y a pas d'autre mot, parce qu'il y a déjà une entrée qui a été refaite il n'y a pas très longtemps, qui fonctionne plus ou moins avec le bâtiment tel qu'il est.
Or, effectivement, on a un problème de structure que tous les utilisateurs ont visé et tous ceux qui ont visité le conservatoire dans le cadre de la commission culture ont pu constater de visu. Si j'ai bien lu le compte-rendu du conseil d'établissement du conservatoire, personne dans les utilisateurs ne réclame cette dépense. Donc, franchement, je pense qu'on peut l'économiser par les temps qui courent. Je pense que le vice-président aux finances serait parfaitement ravi, effectivement, d'avoir une dépense en moins d'investissement dont on peut vraiment se passer. Ben, si on pouvait s'en passer, on ne le ferait pas, c'est sûr. Par contre, il y a eu des démontages et c'est le sol qui a amianté. Donc, maintenant, on est obligé de le traiter. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on intervient. Qui est contre ? Non. Ah. Monsieur Jean-Paul. Non, simple petite remarque, mais je m'aperçois que la culture et les chiffres ne font pas bon ménage. 30% de 42 000 n'ont jamais fait 12 500. Bravo, monsieur, monsieur Jean-Paul est un très beau comptable. Il a raison. Hein, là, on corrigera. En fonction de ça. Donc, je remets au vote qui est contre. Un contre, deux contre. Qui s'abstient ? Ok, je vous remercie. Alors, avant qu'on se quitte, je voudrais dire deux choses. La première, c'est que on est en train d'élaborer un calendrier complet pour les réunions de l'année prochaine. Et on travaille de façon à ce que vous ayez le maximum d'informations. Il y aura trois volets, les conseils communautaires, bien sûr. On essaiera de faire au moins 4 ou 5 conférences des maires élargies, parce qu'il y a beaucoup de sujets à traiter. Et puis, il y a les bureaux exécutifs élargis. Avant les conseils communautaires. Donc, on est en train de monter un projet de calendrier pour que vous les ayez assez à l'avance pour toute l'année. Le deuxième point que je voulais voir avec vous, mais c'est surtout, je voulais qu'on remercie collectivement Élodie Fouché, qui est encore ici. Vous pouvez l'applaudir parce que c'est depuis 2 ans, elle est arrivée en septembre 2020. Elle a beaucoup œuvré, d'abord à GRH et ensuite en tant que DGA, administration, à faire évoluer le travail. Elle a beaucoup aidé à monter les dossiers que vous avez pu voir sur... le DOB et le budget primitif. Elle s'en va, non pas parce qu'elle a envie de partir, mais parce que bon, elle suit son mari qui est gendarme. Voilà, donc, c'est dommage pour nous parce que je pense qu'on aurait encore pu faire beaucoup de choses avec. Elle aurait encore pu améliorer beaucoup de choses dans notre fonctionnement, qui en a aussi besoin. Voilà, merci d'avoir applaudi parce que je pense qu'elle le mérite bien. Donc, dernier petit point avant qu'on s'en aille. On avait prévu ce soir un moment de convivialité à la sortie, mais il y avait beaucoup de délibes. Et puis, en plus, il y a une recrudescence Covid. Donc, on a laissé tomber. Je suis bien placé pour le savoir, puisque j'ai été bloqué toute la semaine dernière. Donc, voilà, eh ben, on va souhaiter une bonne... fin d'année à tous les gens qui nous ont suivis jusqu'à maintenant au niveau des internautes. Et puis moi, je vous souhaite à tous et toutes... Monsieur le Président, juste une petite question pratique. Avez-vous prévu des vœux aux communes, les vœux donc, du Président et du Bureau aux communes ? Oui, avez-vous programmé déjà une date ? Oui. Parce qu'on sait qu'en janvier, tout se télescope. Oui, alors... Il y a, c'est le 20, je sais plus, le 27. Je suis en train de regarder. Hein. Ben, on vous l'enverra, mais c'est prévu. 26 janvier. Merci à voilà, vous. C'est prévu. Voilà. Donc, merci à vous.
c'est vrai que ça va se télescoper. Le mois de janvier, on n'aura pas de conseil communautaire en janvier. Merci à tous. Bonne fête de fin d'année, bon début de l'année prochaine. Merci à vous.